messieurs, ici Diane Gagnon. Vous êtes à Porteur d'espoir à CJMD 96,9 à Lévis. C'est notre première émission de l'année. Je suis très, très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une année merveilleuse qui va aller au-delà de vos rêves. Et je vous souhaite surtout cette année d'apprendre à vous aimer, à vous respecter et à écouter vos besoins. Ce matin, on a une superbe émission pleine de synchronicité dont on va vous parler, mais j'ai surtout le grand bonheur de commencer l'année en beauté avec une amie que j'aime de tout mon cœur, que vous connaissez parce que je suis assise dans son fauteuil depuis plusieurs mois. Thérèse Gagnon, bon matin. Bon matin, Diane. Bon matin, les auditeurs. Je suis contente d'être avec vous. Oui. Et avec Diane, c'est débuté une année avec un cadeau immense. Oui, on est tous gâtés, je pense, ce matin. On est contente de te voir là en pleine forme, avec des yeux pleins d'étincelles, avec un sourire, ton sourire qui nous réchauffe tout le temps. Pour les gens qui ne connaissent pas Thérèse, vous allez avoir presque toute notre heure d'émission, nos deux heures d'émission plutôt pour la découvrir. On va la faire parler d'elle parce qu'habituellement, elle fait parler les autres. Mais ce matin, on va se payer la traite. On va la faire parler d'elle. Et il est arrivé comme une synchronicité assez particulière. Hier soir, j'étais à la soirée Inspire-toi de François Lemay, ici au Centre des congrès à Lévis. Et il y avait Cathy Tropiano qui fait le Salon de l'éveil de Laval et qui cette année, pour la première fois, le fait à Lévis. Puis qui me disait, on dirait que c'est pas trop connu à Lévis. Et j'ai pensé de lui proposer de venir faire quelques minutes à la fin de l'émission pour parler de son salon. Mais j'ai vérifié avec toi auparavant, parce que toi, tu fais le Salon international du mieux-être qui est extraordinaire et je voulais pas que vous soyez en compétition. Non, puis pour moi, il n'y en a pas de compétition. Puis même, moi, ce que j'ai apprécié beaucoup de Cathy, que j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est avant de le faire, avant de le signer officiellement, elle m'a appelée. Wow! Puis c'est pas tout le monde qui ferait non. ça. Puis pour moi, c'est une femme que j'appelle qui est intègre. Ouais. Fait que donc, elle m'a appelée, elle m'a demandé voir si j'étais d'accord ou pas. Puis, elle est formidable. Elle m'a parlé de ses émotions. Elle a dit, ça fait plus qu'une semaine que je sais pas trop. Puis que ça, tu sais, j'ai peur de ta réaction. Ouais. Parce que quand j'avais déjà entendu parler du Salon de l'éveil. Fait quand elle s'est nommée, j'ai dit, c'est toi qui fais le Salon de l'éveil? Elle a dit, oui. J'ai dit, c'est formidable. Elle a dit, peut-être que tu m'aimeras pas après. Je commence par me parler. Puis lorsqu'elle m'a parlé, j'ai dit, ben non. Et c'est ton rêve de le faire soit à Québec, mais Québec ou Lévis. Ouais. Puis j'ai dit, moi, de quel droit je me permettrais de bloquer un de tes rêves? Vous êtes deux femmes de cœur. Alors, hier soir, pour compléter mon histoire, t'as accepté avec grand cœur et tout de suite, spontanément, qu'elle vienne faire les dernières 15 minutes. Puis finalement, tu me dis, écoute, ça m'arrangerait si elle pouvait arriver même pour les 30 dernières minutes, puisque j'ai un imprévu à gérer pour aujourd'hui. Et Cathy ne devait pas coucher à Lévis parce qu'elle doit être à Laval ce soir pour l'autre, Inspire-toi. Alors, elle a couché à Lévis et on va la recevoir vers 11h30 ce matin. Formidable. Alors, manquez pas ça. Non, manquez-les pas parce que c'est une femme à découvrir. Oui. Je vous dis, c'est une femme de cœur. C'est vraiment une femme à découvrir puis qui est passionnée dans qu'est-ce qu'elle fait, comme moi, parce qu'on s'est vraiment rencontrés, on a pris le temps de s'asseoir ensemble et tout ça. Puis c'est une grande passionnée qui veut vous apporter un plus. Mais, cher auditeur, je vous dis, soyez à l'écoute jusqu'à midi comme il faut, puis après ça, partagez, dites à vos amis d'écouter le podcast pour la découvrir, cette femme-là. Puis on va avoir la chance de la rencontrer les 25 et 26 de mars prochain. Oui, ici à Lévis, au Centre des congrès, elle va nous en parler comme il faut. Alors ce matin, on va profiter de l'heure et demie où tu es avec nous pour te découvrir davantage, pour que les gens... Moi, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Hein. C'est notre amie commune, Annick Laprade, qui nous a présenté dans un théâtre d'été l'année dernière, pas en 2016, mais en 2015. Et il y a eu comme une connexion instantanée entre toi puis moi, comme si on s'était toujours connus. Oui. Et depuis, j'apprends à te découvrir. Je suis sans voix à chaque fois de voir ce que t'es, ce que t'apportes au monde, ce que tu offres, c'est l'âme que tu portes, c'est... je suis privilégiée que tu sois là. Ce matin, je suis privilégiée que tu sois dans ma vie. Je tiens à le dire haut et fort parce que pour moi, c'est un immense cadeau de la vie.
Je vais apprendre à recevoir. Je vais dire merci beaucoup. Bravo. Oui, je le dis bien. Merci beaucoup. Parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as maintenant un centre de santé ici à Beaumont? Est-ce que tu es native de Beaumont? Tu viens d'où, moi, toi? Je suis native de Saint-Michel. De Bellechasse. De Bellechasse. En premier, quand je suis née, mes parents avaient une ferme. Et j'étais la plus grande peureuse des animaux. C'est vrai? Spécial, hein? Faut que tu naisses sur une ferme pour avoir peur des animaux? Oui. Dans ton cas? Oui. Bon, après ça, mon père a vendu la ferme. Il a acheté un petit dépanneur avec poste à essence et aussi, il faisait de la mécanique parce que papa, c'est un homme qui est habile dans tout. Il n'y a pas de scolarité. Ben, il y a une sixième année en scolarité. Mais, il avait juste à entendre tourner un moteur, puis il savait qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Fait que les gens sont mis à lui apporter des choses sur la ferme à réparer, qu'il n'avait plus le temps de s'occuper de la ferme. Oh! Fait que donc, c'est pour ça qu'il a vendu la ferme, puis s'est ouvert un garage, mais avec un dépanneur. Là, en tout cas. Fait qu'on est devenus avec 11 enfants chez nous. Vous étiez 11? Oui. Wow. Fait qu'à d'un sens, c'était... Quelle rampe tu occupes, toi? La deuxième. Oh! Oui, la première des filles. Hein? Fait que d'un sens, la première des filles, elle garde même le plus vieux. OK. Donc, tu as appris très jeune à faire passer les autres avant toi. Ben, à m'occuper des autres. Ouais. Mais c'était quand même toujours passionnant de. Fait qu'on était habitués au public aussi. Oui. Toujours le public. Fait que donc, après ça, je me suis en allée aux études, étudier en administration. OK. Mais à toujours, Québec? Non, ici à Lévis. Mmh. Au cégep Lévis-Lauzon, j'avais été acceptée là. Mais en même temps, je voulais pas que mes parents payent rien. J'étais très orgueilleuse, faut pas le dire. Maintenant, je le vois. Je savais pas si c'était de l'orgueil dans ça. De l'orgueil ou de l'indépendance? De l'indépendance orgueilleuse. Non, on va dire ça comme ça. On en reparlera. Oui. Fait que donc, je voulais pas que mes parents déboursent un seul sou pour mes études. Parce que ma mère était moins favorable à ça, parce qu'elle avait besoin d'aide à la maison, puis elle aurait préféré que je reste lui aider. Mm-hmm. Puis pour moi, c'était pas ça, non, parce que je suis pas une fille de maison, je suis une fille... une fille de projet, de toi, projet. Hein? T'étais très tôt une fille de projet. Oui. Mm. Donc, suite à ça, ben, je me suis trouvée un emploi. Fait que donc, je travaillais à temps plein, tout en allant à l'école à partir de mon secondaire 5. C'est vrai? Mais j'étais malade, une période que là, je ne pouvais plus travailler, donc je ne pouvais plus subvenir totalement à mes besoins. Tu sais, mes réserves, je les ai dépensées au cégep. Fait que donc, là, j'ai demandé un pré-étudiant. Mais dans le temps aussi, pour les pré-étudiants, ça prenait les bilans des parents, oui, etc. Oui. Et moi, je voulais pas que mes parents le sachent. Puis, en même temps, tu sais, quand je te parle d'orgueil en même temps, tu sais, tu veux te débrouiller tout seul. Fait que j'ai écrit au gouvernement, j'ai expliqué toute la situation et tout ça, mais avant que tout qui étudie le dossier, j'ai réussi à avoir un pré-étudiant. Mais je me suis retrouvée un emploi, là, j'étais plus malade, fait que j'avais été capable d'arriver safe. Fait que il y en a plusieurs qui me disaient, mais comment t'as fait? J'ai fait mes demandes. J'ai expliqué chacun des cas, pourquoi je leur demandais pas ça, je voulais pas le demander ça, parce que je me disais, après ça, il y en a 9 derrière moi. Hey. Fait que si je le fais, ben les autres, après ça, vont voir et tout ça. Fait que c'était toujours mon petit côté d'être... Mmh. Après ça, je voulais m'avoir un auto. Ça, c'est une affaire. Des fois, je regarde ça. Mon Dieu, je devais avoir un front de bœuf en même temps, même si j'étais très timide. Mes parents, ben c'est sûr que ça, ils n'étaient pas. Mais pour emprunter, ça me prenait un endosseur. J'ai demandé au vendeur de l'auto de m'endosser. Non. Fait que quand je suis arrivée chez moi avec l'auto, mon père a dit, « Est-ce que tu as pris de l'argent? » J'ai emprunté. Mamie dit, « Ça te prend un endosseur? » Je dis, « Oui. » Maman dit, c'est qui? Je voulais pas que ce soit vous. J'ai dit au vendeur, je te demande de m'endosser. Si ton auto est pas bonne, ben, j'arrêterai de payer puis tu reprendras ton auto. Puis si ton auto est bonne, ben, je vais continuer à payer. Inquiète-toi pas. Fait que si tu veux que j'achète, c'est ça. Fait que, dans le sens, j'avais. J'avais un peu du front, un peu. Une femme, une fille très, très timide, très gênée, mais en même temps avec un front de bœuf. Ouais. Tu sais, c'était vraiment, là, je regarde ça, je sais pas avoir été timide, mon, toutes les montagnes que j'aurais déplacées. Et pourtant, t'en as déplacé des montagnes. Oui, mais avec toujours pour... après ça, beaucoup de choses, des projets, j'en ai monté énormément. Mais c'était toujours pour me prouver que j'étais pas niaiseuse. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Pourquoi tu croyais que tu pouvais être niaiseuse? Ça pour moi, d'où, ça? Je suis née avec ça. Maintenant... Née avec ça? Je suis née avec ça. Pourtant, j'ai pas fait ma première année. J'ai fait 2 semaines en première année. C'était trop avancé. Et pour eux autres, d'un sens, elle voyait que je perdais mon temps. Puis je disais à maman, je suis aussi bien dressée à la maison, t'aider. J'apprends rien à l'école. j'avais 5 ans, 6 ans, là. Fait que là, ils m'ont monté en deuxième année. Mais en deuxième année, si j'arrivais pas la première encore orgueilleuse, quand je te dis, vu qu'on m'a monté, pour moi, ils m'ont fait confiance, donc je dois performer.
Fait que si j'arrivais pas la première avant mon frère, parce que là, je devenais dans la même division que mon frère, ben pour moi, j'étais pas bonne. Fait que donc, je me suis poussée. Mais t'avais déjà à cette époque-là une espèce d'anxiété de performance. Oui, performance, de pas savoir qui tu es du tout. Puis ton estime de toi. Ça, j'appelle ça, c'est une estime de soi de zéro. C'est incroyable quand même. Fait que donc, la tu vie. Tu penses que t'es née avec ça? Je suis née. Ma mère a dit que même quand j'étais née, j'avais mes oreilles coulées. Puis elle dit, puis tu pleurais même pas. Fait que donc, j'ai pas appris à prendre mes besoins. Fait que c'est sûr que j'amène une mémoire génétique de ma mère et tout ça. Maintenant, je vois ça un petit peu d'une manière différente. D'ancienne vie? J'aimerais ça voir des dates, parce que tu sais que les dates me parlent. Oui. Ma mère, avant de naître, elle a eu, mes grands-parents, ils ont eu une petite fille, leur première, leur plus vieille. Elle s'appelait Thérèse. Puis à l'âge de 6 mois, elle est décédée. Mais ils n'ont entendu parler, tous les enfants après, ils n'ont entendu parler. Fait qu'ils ont demandé pour, de quoi qu'elle était morte. Ouais. Puis ce qu'ils ont dit, était trop intelligente pour vivre. Fait que tu vois-tu la génétique que j'ai traînée dans mes cellules, que j'ai appelé ce nom-là. Maintenant, je le comprends. Donc, si on est trop intelligent, on ne vit pas. Donc, ben, si on vit, on est niaiseux. Oui, justement. Wow. Ben là, moi, quand elle me disait ça, elle dit, je t'ai appelé Thérèse, en mémoire de ma petite sœur Thérèse. Fait que là, j'ai dit, de quoi qu'elle est morte? Ben, elle dit, ça a l'air que les gens, quand ils allaient voir grand-papa puis grand-maman, puis qu'ils voyaient la petite Thérèse, ils disaient, ah non, elle est ben trop intelligente pour vivre. C'était comme probablement une parole de réconfort, mais qui s'est ancrée d'une manière négative. Oui, c'est cassé qu'après ça, eux autres le disent, mais ça se répète dans les gènes, ben ça, dans les mémoires génétiques. Ouais. Maintenant, quand j'ai fait le travail, ben là, on le voit avec moi, d'un sens, là, je vis. Ben, d'un sens, je suis niaiseuse. Est-ce que tu y crois encore? Oh non! Tu as travaillé en administration pendant combien d'années? J'ai travaillé en administration. J'ai étudié en administration. Après ça, j'ai travaillé dans les restaurants. Après ça, j'ai rentré à travailler à la Caisse populaire. Là, j'ai commencé en bas de caissière, commis caissier, commis comptable. J'ai fait toutes les postes jusqu'à la direction par intérim. Ça, j'ai travaillé 17 ans et quelques mois, presque 18 ans. Je disais, là, c'est mon adolescence, il y a le temps que je parte. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que cette pulsion-là ou cet élan-là intérieur... Comment c'est né, hein? Oui, de bien-être, de spiritualité, tout ça. J'étais une fille qui était très, très, très rationnelle. J'ai encore du rationnel, tu sais, on peut pas... très rationnelle, très cartésienne et tout ça. Mais en même temps, je le possédais, mais je le savais pas. Fait que donc, pour moi, c'était le travail. C'était travail, plus que travail. J'avais mes enfants, je suivais des cours à l'université, j'ai fait de la décoration de gâteaux, je faisais de la comptabilité pour des entreprises chez moi. C'était le travail. Fait que donc, deux, combien d'enfants? Trois garçons. Ah oui? Puis en faisant toujours ce travail-là, un jour, je suis devenue épuisée. Parce que dans un sens, tu n'as aucun respect de toi, fait que ton corps va parler. Fait que donc, j'ai fait un premier burn-out en 1987. Mais avant même qu'on connaisse le nom, je pense. Ça commençait un petit peu à parler de burn-out. Puis là, quand j'ai fait ça, pour moi, aller fouiller à l'intérieur de moi, non. T'étais pas là encore. Non, du tout. Mais en même temps, il y avait une petite voix en dedans de moi que je comprenais pas, qui me disait qu'il fallait que je fasse autre chose dans la vie. Mais pour moi, je savais pas faire autre chose. C'est souvent un signe d'un burn-out. Hein? On confond ça avec l'épuisement professionnel. Justement. Retourner dans le même travail, faire les mêmes tâches après un burn-out, probablement qu'il va avoir des répercussions au niveau de la santé physique. Si tu as un sens, tu le guéris, tu resteras pas là longtemps. Non. Parce qu'après ça, fait que là, comme je l'ai pas guéri, je rentrais travailler, je shakais comme une feuille. Oh. Mais pour moi, j'étais guérie. Ouais. Fait que là, il fallait que je me prouve encore plus que j'étais pas niaiseuse. Fait que donc, je travaille et j'ai parti un projet de garderie. Tu t'es donné ça dur, hein? Oui, mais c'est nouveau. J'aime beaucoup ta phrase. C'est moi qui me donne ça dur. Ouais. C'est pas les autres. C'est moi qui me donne ça dur. Ouais. Fait que donc, là, on a monté le projet de garderie en même temps. Fait qu'on a une corporation but non lucratif à Beaumont que j'étais dans le créer le comité pour faire l'étude de marché, tout le cadre de vie, etc. La construction. Mais je voulais une corporation but non lucrative. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis un jour, je vais devenir un parent démodé. Un grand-parent, c'est un grand-parent, puis un parent, c'est un parent. Tu sais, quand t'es parent, t'as pas l'expérience du grand-parent. Puis ça prend des gens comme ça qui vont gérer la garderie pour que ça puisse bien,
que l'enfant puisse évoluer dans ses rites avec les blessures, les forces et tout ça. Tu as fait ça après ton burn-out? Après le premier burn-out. OK. T'as lâché la caisse populaire? Non. Oh, je gardais la caisse, j'avais la garderie. Tu faisais la comptabilité, tu avais tes enfants. Oui. Non, ça, c'est pour moi. Tu te vis tranquille. Oui. Maintenant, je regarde, je me pose la question, où est-ce que je trouvais tout le temps? Une énergie. Mais ça finissait toujours. Mais tu t'accordes pas aucune minute de temps pour toi. Non. C'est ça, là, qui je a... connais ça. Ben, oui, je suis certaine que je te parle, puis il y a certains auditeurs qui doivent se reconnaître. Ouais. Fait que donc, suite à ça, en 92, j'ai refait un autre burn-out. Mais lui, il est allé plus creux. Oui. Parce que, tu sais, vu qu'on le règle pas, l'autre il descend encore plus. J'appelle, c'est parce que ta montagne, t'as retrouvé une autre manière de continuer ta route, mais à descendre encore plus creux. Quand t'as pas compris, la vie te lâche pas. Oui. Fait que donc, j'ai arrêté, mais j'étais pas encore ouvert. Faut que je cogne plus dur un petit peu pour moi. Oui. C'était pas assez encore? Non, c'était pas encore assez. T'étais arrêté combien de temps à ce moment-là? J'ai arrêté, mais dans celui-là, il y a eu deux phases. Les dates, dans ce temps-là, je savais pas les dates. Maintenant, je les vois les dates puis je ris de moi en même temps. J'ai hâte que tu nous en parles, ça, tantôt. Puis, j'ai arrêté et je me suis plantée par moi-même. J'appelle ça de même. Parce que le vendredi, le médecin voulait m'arrêter, mettons, le mardi. J'ai jamais voulu qu'il m'arrête le mardi. J'ai dit, vendredi, j'arrêterai. Là, écoute, ils n'ont pas personne pour faire les payes. Ils n'ont pas personne pour mon travail. Il faut tout que je planifie. Fait que donc, je me suis donné le mercredi, jeudi, vendredi pour planifier tout l'été. Mon patron, il me disait, mais Thérèse, je comprends pas ça. Ça se peut pas. Il veut t'arrêter, tu veux même pas arrêter et tout ça. Même, j'ai dit, il n'y a pas personne qui a préparé ma relève et tout ça. Fait que donc, je vais vous laisser dans la main. Je peux pas faire ça. Et le vendredi, il y a quelqu'un de l'assurance qui a appelé au bureau. Puis il y avait déjà une fille qui était en congé de maladie. Mais moi, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, je le réglais. Je laissais pas rendre ça jusqu'à elle parce que je trouvais qu'elle en avait assez. Fait que donc, t'étais bonne pour les autres. Oui. Fait que donc, la personne, elle me demande, ben, j'ai dit, si vous rappelez la semaine prochaine pour un suivi, là, moi, je suis pas ici. Ah, elle dit, tu t'en vas en vacances? Non, en congé de maladie. Est-ce que ça paraît super bien, ça? Je sais pas si tu le sais, fait que les assurances n'ont pas voulu payer tout de suite. Fait que plutôt, ils m'ont envoyé voir un psychiatre en médecine industrielle. Celui que j'ai vu, mais je le comprends maintenant. Il voulait me faire entrer à l'intérieur de moi. Fait que moi, mais j'ai senti... Mais t'as pas voulu? Non, j'avais mis mon armure, puis elle était bonne, mon armure, vraiment bonne. Mais quand il est arrivé pour m'a ouvert la porte pour que je puisse sortir, moi, j'ai dit, j'ai pas terminé avec vous. Tu sais, mon armure était forte. Fait qu'il dit, non. J'ai dit, vous avez un si beau métier pour vous en servir, pour aider les gens. Puis vous mettez tout le long de l'entrevue, vous avez pris une pelle, puis vous avez mis ça sur le côté pour me fesser, pour que là, je ressorte d'ici tout en petits lambeaux. Vous l'avez fait avec moi et vous l'avez fait avec une autre personne qui travaille avec moi. Puis quand elle est arrivée chez moi, elle était en petits morceaux, il fallait que je la ramasse. Fait que donc, j'ai dit, c'est de valeur d'avoir un beau métier comme ça puis s'en servir pour détruire les gens. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a pas répondu, mais le lendemain, j'avais l'appel de l'assurance vie. Madame Gagnon, retour immédiat au travail. Je ne dors pas, je ne mange pas. Mais là, lui, quand je me suis rendue dans l'auto, là, je pleurais, j'étais plus capable, il n'y avait plus rien. Fait que donc, j'appelle mon patron. Il me dit, Thérèse, je peux pas rien faire. Je dis, c'est ça. Quand moi, c'est pour les autres, je débrouille tout pour... Puis moi, il n'y a pas personne. Fait que j'ai dit, laisse-moi la vie, elle avait trouvé le moyen de te le mettre en pleine face. Ah oui, mais il fallait ça parce que j'ai tellement, avec une armure tellement forte, là. Maintenant, je le réalise. Tu sais, quand t'es là-dedans... Tu le vois pas. Tu le vois pas. Tu penses que c'est tout autour. Tu le vois pas, puis tu comprends pas ce qui t'arrive souvent. Puis quand on est performante comme tu l'étais, ben on n'accepte pas de voir que on n'est pas aussi performante que d'habitude. Non, justement, t'acceptes plus, t'as plus de force, t'as plus rien. Fait que donc, j'ai rentré une journée suicidaire, j'appelle ça comme ça. Je suis rentrée un jeudi, de 8h30 à 8h30. Au bureau? Ah oui. Seigneur. Après 2 jours, j'ai dit, je vais me reposer 2 jours, je vais rentrer là. Fait que donc, j'étais obligée de reprendre une semaine de vacances pour essayer. Là, j'ai rentré, fait que là, mon patron, il me dit, ben c'est le fun que tu rentres, moi, je vais prendre mes vacances. Oh my God! Vraiment? tout pour que j'apprenne à me choisir. Fait que là, mon médecin, il me dit, Thérèse, faut que tu arrêtes. Non, ils veulent pas que j'arrête pas. Là, on est toujours en 92. Là. Oui, toujours en 92. Mais là, j'ai planifié comment me suicider.
Hey. Bon. Me couper les veines, non. Daniel a peur du sang. Fait que s'il arrive avant les enfants, ben ils vont en avoir deux à terre. Bon. Fait que ça m'éliminait cette solution-là. Me pendre, ben là, d'un sens, c'est à qui je vais donner du travail pour me décrocher. C'est fou, là, mais c'est tu vraiment comme ça. Tu pensais encore aux autres oui. dans... Oui, j'avais trouvé ma solution, mais ma solution n'était pas toute finie de valider. Ma solution, c'était de m'en aller sur la route, puis quand, d'un sens, il y a une vanne, de donner juste un petit coup de roue, de m'en aller. Mais là, je voulais être sûre que le chauffeur soit pas blessé, qu'il n'y ait pas de choc émotionnel. Fait que là, il me restait à travailler ce point-là. Ça n'a pas de bon sens. Le médecin, lui, le voyait probablement. Parce qu'un matin, d'un sens, là, il dit, là, Thérèse, faut que tu arrêtes. Puis la psychologue aussi, elle dit, faut que tu arrêtes. Là, j'avais commencé à consulter. Là, il me dit, d'abord, Thérèse, il dit, 6 pieds sous terre, dans un mois et demi ou deux, vas-tu être autant utile aux gens? Cette phrase-là, c'est elle qui m'a réveillée. J'appelle ça, on dort dans notre mal-être, là. T'es vraiment anesthésié du mal-être. Ouais. Fait que, donc, quand j'ai vu ça, je suis revenue, puis là, ça m'a mis, là, j'ai commencé à réfléchir sur moi au lieu de réfléchir. C'est cette phrase-là qui t'a ouvert. Oui, moi, c'est peu, vraiment cette elle phrase-là. Elle a fissuré un peu la carapace. Exact. Il y a une botte de l'armure qui est tombée. Puis, pas longtemps après, en écoutant la TV, j'entends le livre L'ergomanie. Je connais pas. Puis, Burnout. Il parlait de cette émission-là. Le livre du Burnout, je l'ai eu après être retournée au travail. Mais l'autre, l'ergomanie, il l'avait. Je suis partie tout de suite, je suis allée le chercher. L'ergomanie, c'est l'obsession du travail. Tu vois, tout ce que je te disais que j'avais. Puis comment qu'on peut détruire tout autour de nous par ce côté-là. Moi, ça a été vraiment un livre salutaire pour m'amener dans ma transformation. Parce que là, j'ai vraiment vu avec ça comment d'être obsédé comme ça par le travail, qu'on voudrait que les autres en fassent plus, mais ouais, qu'ils ne l'aient pas, puis qu'on leur dit, puis c'est comme... Mais ça sera jamais à notre goût, de toute façon. Ben, pour moi, dans le temps. Fait que, d'un sens, tu vas t'attirer que tu fais tout, partout. Fait que, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, j'en suis atteint. C'est incroyable. Hey, Daniel, là, qui vit avec moi, c'est dur. Les enfants qui vivent avec moi, au travail. Mais là, encore, tu pensais aux autres. Oui, encore. Mamie, oublie pas que j'ai beaucoup de neufs. Oui. Ça. Fait tu vas nous expliquer c'est quoi tantôt. Oui, fait que c'est pour ça que le petit côté qui était là, fait que là après ça, j'ai lu le livre, celui-là sur Bernard, je ne l'ai jamais lu, je suis allée chercher parce que je l'avais réservé, mais je ne l'ai jamais lu. Là après ça, par exemple, c'est le livre Écoute ton corps avec Lise Bourbeau. Ouais. Puis là, j'ai embarqué dans toutes les formations. Toi, il n'y a pas une seule que toutes je faisais. Toutes les formations de Lise. Non. Au complet. J'ai fait ici à Québec, mais après ça, tout à Saint-Jérôme dans le temps. Fait que donc, j'ai toutes fait mes formations pour devenir animatrice et là, ma vie, elle a transformé. Comme les assurances, j'avais toujours l'appel de mon patron que les assurances ne voulaient pas payer quand j'ai retombé en arrêt. J'ai dit, donne-moi le nom de la personne qui s'occupe de mon dossier. Toi, tu n'es pas capable de t'en occuper, mais moi, je vais m'en occuper. Tu sais, encore. Fait que j'appelle la personne, fait qu'elle me dit, non. Ben, j'ai dit, est-ce qu'on est bon juste pour payer des cotisations chez vous? Parce que je paye encore mes cotisations. Puis là, vous avez un rapport du médecin, vous avez un rapport de psychologue, puis vous ne voulez pas payer. C'est pas normal. Ça veut dire que vous doutez de la parole du médecin, puis vous doutez de la parole du psychologue. Ben, elle dit, je vais réévaluer votre dossier, mettons, d'ici le milieu de la semaine prochaine. Moi, le milieu, c'est mercredi. Fait que lundi, pas de nouvelles. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas de nouvelles. Jeudi, je la rappelle. Le milieu, pour moi, il est passé. Ah, j'ai pas touché. Ben, j'ai dit, moi, ça me prend une réponse. Fait qu'il m'a renvoyé voir un autre médecin en médecine industrielle aussi. Mais un que lui, il m'a fait enlever mon armure en arrivant. Ah oui? Comment il s'y est pris? Il est arrivé, il me donne la main et dit, Madame Gagnon, je sais ce que vous venez passer ici, c'est loin d'être agréable. Mais il dit, pour les besoins de la cause, il faut le faire. Mais il dit, je sais que c'est pas plaisant du tout. Hey, les vagues vont ouvertes. Tu vois-tu, il est rentré directement par le cœur. Ouais. Tandis qu'il n'est pas resté dans un armure. Moi, j'ai perdu mon armure. Puis quand je suis partie, il me redonne la main et dit, Madame Gagnon, je n'ai pas le droit de vous donner le résultat. Sauf qu'il dit, je peux vous dire, inquiétez-vous pas. Puis moi, ma vie, elle a transformé vraiment au complet. Je suis rentrée, j'avais des ailes, mais je savais que j'étais là temporaire. Je donne la main à mon patron, je l'appelais par son prénom. Bonjour, Martin. Hein, j'ai dit, je me présente, je suis Thérèse Gagnon. Thérèse Turgeon, elle est morte et enterrée. Mais elle m'a tout transféré, son système de classement, son travail, tout au complet. Mais moi, je suis ici temporairement. Oh!
J'ai fait un an et demi, j'ai rentré en novembre. Ça, j'avais arrêté en premier le 19 de juin, j'avais rentré l'été, j'ai quitté. Et j'ai passé l'année et demie la plus belle là-bas. Parce que je faisais... t'es restée si longtemps que ça. Oui, ma mère, je savais pas encore qu'est-ce que je ferais, mais je l'ai su d'un coup de journée, j'ai eu de ma poussée. Je le sais, moi, je savais ça jour le jour. Mais il y avait une phrase... T'as après écouté ton intuition à ce moment-là? Oui, mais il y avait une phrase que je me disais à tous les matins en allant travailler. « Merci, mon Dieu, une journée de plus vers ma nouvelle vie. » Ah, que c'est beau! Cette phrase-là, je peux dire qu'à chaque matin, je savais que je m'en approchais. Puis, il y a une vibration dans ton corps qui vient, qu'en premier, elle n'est pas là, la vibration. Merci, mon Dieu, une journée de plus vers ma nouvelle vie. Et notez ça, chers auditeurs. Ça, si c'est vous voulez nous la commenter sur la page Facebook d'Anne Gagnon, perso complet, là, Thérèse, elle a plein de perles de sagesse comme mais ça. Mais ça, c'est un outil, c'est tellement bon pour t'amener vers ta route. Parce que souvent, beaucoup de personnes, ben, tu dois le voir toi aussi, ils veulent changer de route, mais ils savent pas où s'en aller. C'est ça. Ça, tu y vas avec la foi. Tu le sais pas, puis t'as pas de temps non plus. Mais une journée, d'un coup, c'est comme tout ouvre. Moi, en tout cas, c'est une phrase qui m'a été... Puis je le disais à tous les matins. J'étais là il y a un an et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit peu de difficulté à trouver quelqu'un. Puis même, j'étais chanceuse, ils m'avaient offert le travail sur un plateau d'argent. Parce que mon projet, j'avais dit, je voulais vraiment le partir. En premier, j'étais censée m'associer avec Écoute ton corps. Puis faire une école. Pour enseigner Écoute ton corps et tout ça. Mais j'ai vu que pour moi, je serais pas capable d'enseigner quelque chose. Je suis unique à mon genre. Okay. Enseigner quelque chose de quelqu'un d'autre, tu veux dire. Oui, ben, c'est ça. Parce que dans un sens, tu dois enseigner de telle manière. Oui, moi, je suis pas capable de ça. Fait que donc, c'est là que quand je suis allée à une rencontre de gestion, puis je suis revenue le lendemain, c'était censément ma dernière journée de travail. Mon patron, il me regarde et dit, puis, non, je me porte tout seul. Ben, dans ce cas-là, veux-tu rester? Puis, tu feras l'horaire que tu veux. Mon Dieu, il était bon puis pour dit, toi. Il dit, je te garde ton même salaire et tout ça. D'abord, je suis un cadre, fait que les cadres, tu sais, on est payé à la semaine. Mm-hmm. Mais il dit, fais l'horaire que tu veux pour moi, je l'accepte. Je dis, non. T'as dit non? Non. J'ai dit, là, je prends 2 semaines de vacances, j'ai besoin de ça, vu que j'étais censée partir. Après ça, j'ai dit, tu vas trouver quelqu'un pour me remplacer. Puis c'est devenu ma meilleure amie là que j'ai, Nancy Boucher, qui est le maître de cérémonie au salon. Là. On est on est des grandes amies. Puis là, d'un coup, dans la première semaine de vacances, c'était rare, j'ai trouvé une fille, dit, c'est une copie conforme de toi. Mais vraiment, le plaisir que l'on a ensemble, puis que j'ai pris le temps de la former, puis après ça, j'ai dit non, elle est solide, moi je m'en vais et tout ça. Fait que ça a été comme ça. C'est pour ça que ça a fait comme me rendre presque 6 mois plus tard de mon départ. Ouais. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je recommencerai demain matin. Tu n'as pas de sécurité, mais tu crois en toi et tu crois en ton projet. J'ai été un petit peu alcoolique aussi quand j'ai parti parce que je faisais 7 jours, 5 soirs. Workaholic, oui. Oui, mais là, tu vois-tu, là, on a beaucoup moins, mais graduellement, mais il faut l'apprendre. T'as appelé ça en partant le centre d'épanouissement, Thérèse? J'ai ouvert, oui. Ouais. Fait que dans le sens, lui, je l'ai ouvert en juillet. Ah, de quelle année? 1994. OK. Et ça continue depuis, ça veut dire que ça fait 23 ans que ça fonctionne, puis ça fonctionne bien. Puis vous offrez un paquet de services. Vous êtes à Beaumont? Oui, dans une petite municipalité. En premier, les premières années, les gens trouvaient que c'était loin, Beaumont. Ouais. Mais quand les gens viennent une fois, ils voient que c'est tout près, Beaumont. Puis c'est beau, c'est agréable, c'est beau en hiver, c'est beau en été. Ouais. C'est un endroit, moi, que j'ai adopté un an et demi environ après mon mariage, qu'on a déménagé là à Beaumont. Puis pour moi, j'ai adopté cet endroit-là. Puis j'adore ça. Mmh. J'aime les gens. J'aime toutes les gens, mais les gens de Beaumont, je les aime aussi. Puis c'est comique parce que quand eux me parlent, ils connaissent pas Thérèse Gagnon, mais Thérèse Turgeon. Fait qu'elles autres, à chaque fois, ils me parlent, même, ça fait longtemps, c'est Thérèse Turgeon. Bonjour, Madame Turgeon. Mais ton nom de fille, toi, c'est... Gagnon. OK. Nous gagnons ensemble. J'ai décidé d'arrêter de me faire téter. Thérèse Turgeon. Hein? Et nous ne sommes pas parentes, toi et moi. Mm-hmm. En tout cas. Mm-hmm. On ne sait pas. Pas officiellement. Dans la vieille génétique, si on remonte aux pierres et tout ça, là, on peut avoir une parenté, mais très lointaine. Non, on ne pense pas. Moi, je suis adoptée. Ce n'est pas mon vrai nom. Alors, OK. Tu comprends. OK, c'est ça. On est peut-être parents, mais d'une autre manière. Oui, d'une autre manière. Ben, c'est pour ça. On était sœurs de cœur.
Tu voyais ça comment quand tu as parti ton centre d'épanouissement? Tu avais le goût d'offrir quoi? Tu partais quand même de la gestion d'une caisse populaire. On s'entend que c'est pas tout à fait la même affaire. C'est pas la même affaire, mais en même temps, si je regarde, j'avais ce côté-là d'écoute des gens. Qu'est-ce que je me suis ennuyée pour la caisse? C'est lorsque j'ai quitté le secteur conseil que là, je me suis en allée dans l'administratif uniquement. Parce que là, en premier, je faisais du conseil administratif, mais j'étais rendue, j'avais vraiment trop de travail. Fait qu'ils t'ont privé du contact avec les clients. Oui, ben là, quand ils m'ont dit, c'est facile de trouver quelqu'un au secteur conseil, mais c'est très difficile de trouver quelqu'un au secteur administratif et courant. Mais toi, t'es habile dans les deux. Ouais. Fait que donc, si je voulais que ça soit plus rapide pour trouver quelqu'un, j'ai accepté, mais à condition qu'un jour, je retourne au conseil. Mais quand tu as parti ton centre, tu offrais quoi à ce moment-là? Bon, j'offrais des formations, l'épanouissement au quotidien. Okay. Bon, il y avait des formations. Que tu avais bâti toi-même? Oui, que j'ai bâti moi-même. Après ça, j'organisais, par exemple, je me suis mis à organiser des conférences pour les gens, organiser des ateliers, ça m'en faisait suivre d'autres formations aussi. Il y avait des formations que je voulais. Tu allais chercher d'autres conférenciers, ben oui. D'autres formateurs. Okay. Tu avais déjà cette idée-là à ce moment-là. Ben pour moi, ça, c'était important parce que je me dis, plus qu'on veut grandir, plus qu'on doit s'unir, plus qu'on doit découvrir. C'est beau! Fait que pour moi, c'était ça. Puis, j'ai ouvert en 94, puis en février 95, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui organisait un salon à Québec, c'était à la Place de la Cité. Puis, je me suis demandé comment ça que moi, il m'appelait. Je venais juste d'ouvrir. Mais j'y étais. Mais j'ai adoré ça. Comme exposant? Oui, comme exposant. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça assez. S'appelait quoi? C'était quoi ce salon-là? Je me souviens pas du nom du salon, mais je sais qu'il y avait l'École Latitude de Québec. Ouais, Michel Van, mais ouais. Son autre nom, je suis jamais capable Van de le dire. Van Gestein. Ouais, ben, c'est pour ça. Ça fait que je reste avec Van, Michel Van. On le connaît, en tout cas. Oui. Fait, parce que lui, il était là, puis il était. Puis j'ai aimé ça. Fait que j'ai décidé l'année, en 95, à l'automne, d'organiser un salon dans un centre d'achat. Je l'avais fait au Galerie du Vieux Phare. Okay. On avait 20 quelques exposants. Puis, il y avait avec conférence, mais là, dans ce temps-là, les gens, vu que c'était un centre d'achat, c'était gratuit pour l'entrée, mais les gens payaient pour leur conférence. Que tu donnais, qui se donnait où dans le centre d'achat, en plein milieu? Les conférences, non, je regardais. Non, je regardais pour les conférences qu'il y ait des locaux non loués. OK. Et comme il y avait des locaux non loués, ben là, on faisait les conférences là. Fait que, ils ont eu de l'achalandage plus qu'en haute période durant le temps des fêtes. Alors, ils étaient contents. Oui, puis après, suite à ça, ils ont loué leurs locaux. Okay. Fait que l'année suivante, ils auraient voulu que je revienne là, mais moi, ils ont dit, on va aller faire les conférences au centre. Non. Ça me prend ça. Fait que donc, je suis allée au Galerie Chagnon, que la première année, j'avais été refusée. Mais la deuxième année, ils nous ont accepté. Fait que donc, on a fait ça là. Fait qu'eux aussi, il y avait des locaux de libre. Fait qu'on a fait les conférences là. Mais maintenant, je vois que je savais pas prendre ma place. Fait qu'il y a des personnes qui avaient pas droit parce que moi, quand je vais signer un contrat, autant au centre des congrès ou ailleurs, j'appelle ça, il y a des contraintes opérationnelles. Puis on doit les respecter. Fait que donc, s'il y avait des gens qui vendaient, mettons, des CD, il n'y avait pas le droit parce qu'il y avait HMV ou il y avait des choses, les produits naturels et tout ça. Mais il y en a qui ont fait inscrire leurs employés. Puis après ça, c'est eux qui sont venus. Puis j'ai pas été capable de dire en ce cas-là, dehors, t'as payé, mais tu respectes pas, t'es dehors. J'ai pas été capable de faire ça. Ouais. Fait que donc, plutôt, j'ai arrêté d'organiser. Ah oui, plutôt que de prendre ta place. Oui, maintenant, je le vois. Ah oui. Là, quand je vais céder ma place, c'est moi qui vais choisir de le céder, mais quand il y a des normes, ils sont là. Puis là, finalement, tu as créé le Salon international du mieux-être. Tu vas être à ta 7e édition, je pense. Oui, en 2010. En 2010, qu'est-ce qui est arrivé? Encore, moi, c'est parce que tu sais que, Diane, tu dois être un petit peu comme ça aussi. D'un coup, ça nous vient de pousser, c'est là. Hein? Oui, oui, oui. Puis l'espace-temps, on sait que là-haut, il n'existe pas, mais ici, il en existe. Hein? C'est comme un accouchement, ça. Tu peux pas croiser les jambes. Non, là. Exact. Puis là, c'est ça. En 2010, j'avais prévu, c'était le centre allait avoir 15 ans. Un peu, 16 ans. Ouais, c'est sa 15e année, en tout cas. J'avais prévu faire une porte ouverte avec l'équipe qui était au centre. Puis j'avais ma rencontre le 19 de juin 2010. Pour une porte ouverte. Mais le matin, quand je me réveille, ça me dit, non, c'est pas une porte ouverte que tu fais, c'est un salon. Puis ça, c'était prévu pour la semaine après la fin donc, du travail. Donc, pas dans ton centre, mais ailleurs. Avec mon centre et tout ça, il faut que je fasse un test. Moi, j'appelle, okay. Ben, pour moi, en même temps, le petit côté sécuritaire, que je ferais peut-être pas ça, mais qui me sécurise.
Fait que donc, le matin, quand j'ai la réunion avec l'équipe, je leur dis, je vous ai réunis pour une porte ouverte, mais moi, matin, j'ai reçu que c'est un salon qu'on doit organiser. Ayons, tu es malade? Non. Mamie Thérèse, on est au mois de juin, le 19 de juin. Moi, je suis en vacances, mettons, une avant. Moi, je suis en vacances en juillet. Moi, je suis en vacances en août. Moi, j'ai la moitié de juillet, la moitié d'août. Si tu penses, moi, je ne travaillerai pas là-dedans. Mais j'ai dit, je ne peux pas faire une porte ouverte. J'ai dit, j'ai reçu, parce que la porte ouverte représente un circuit fermé. Moi, c'est de même qu'ils m'ont expliqué ça, mes guides. Ils ont dit, la porte ouverte, tu ouvres, mais juste pour un circuit plus fermé. Tandis qu'un salon, tu fais ouvrir sur plein d'autres personnes, même s'ils ne sont pas chez toi, mais tu amène l'esprit de collaboration, de coopération, puis des références et tout ça. À quel moment tu avais commencé à écouter ton intuition autant que ça? Parce que là, c'est fort, là. C'est très fort. Puis toi, tu la suis en titi, là. Ben, quand je la suis pas, de toute façon, j'ai ma facture. Ben, depuis que j'ai ouvert le centre, ça s'est mis à me parler. J'appelle ça ma petite voix de sagesse. Puis elle vient me parler, soit que je l'ai le matin en me levant, ou si c'est dans la journée qu'il se passe quelque chose, elle me vient me parler à mon oreille gauche. Ah, vraiment, puis c'est comme si je t'entends me parler. C'est aussi c'est fort vrai? Que ça. Ah, oui. Fait que ça veut dire, là, Thérèse, tu résistes. Comme j'ai eu des fois des difficultés financières, pas mal, qu'il me manquait beaucoup de sous. Puis là, j'essayais de tricoter, mais j'avais changé mon slogan. Par exemple, « Vaut mieux rire aujourd'hui que rire demain. » Fait que donc, j'avais retiré mes rires. Hein, bon, oh my God! Mais là, j'en avais plus. Puis la petite voix venait me dire, « T'as jamais demandé à personne de t'aider, même pas à tes parents. » Fait que maintenant, va leur demander. Puis si tu leur demandes, ils sont même pas obligés de te dire oui, mais t'as pilé sur ton orgueil. Fait que donc, tu y vas. Et là, moi, je tricotais sur les bords, je calculais sur tous les côtés. Puis là, la petite voix venait me dire, non, si tu le fais, de toute façon, ce qu'on va faire, on va faire ralentir ta clientèle. Tu vas, même si tu es organisé, tu n'auras pas de réponse. Faut que tu piles sur cet orgueil-là, parce que ça te bloque pour aller plus loin. Fait qu'il est venu un temps, il me manquait 20 000 $. C'est des sous. Fait que donc, je dis à mon chum, je dis, je vais voir papa et maman pour emprunter de l'argent. Ah, il dit, je vais pas avec toi. Fait que quand je suis allée, ma mère m'a aidée à casser mon ego parce qu'elle m'a dit, hein, si t'aurais resté à la caisse, hein, t'en aurais pas manqué de l'argent, hein, t'avais une sécurité, puis là, ça veut dire que tes affaires marchent pas, hein. Tout pour faire casser. Tombé dans l'émotion que tu puisses la sortir, cette partie-là, c'était l'orgueil qui me bloquait. Tandis que papa, lui, a pris les paroles du guide. Et il dit, hey, la mère, il dit, c'est la première fois, elle, qu'elle nous demande de l'argent, de l'aider. Elle nous a jamais demandé de l'aider. On peut-tu y aider? Oui ou non? T'avais bon cop, bad cop, là. J'avais vraiment toujours un pour qu'il fasse craquer, casser, ouvrir, puis l'autre pour aller vers. Mais c'est comme ça dans la vie, hein. On a toujours le positif. Ça nous le prend les deux pour qu'on reste au cœur. Fait que là, maman, elle dit, comment c'est que t'as besoin? Ou 15, 16 000. Je me suis dit, hey, je n'étais pas prêt de dire 20 000. J'avais ben trop honte encore. Fait que tu vois-tu, j'étais encore honte, dans le jugement de soi. Fait qu'ils m'ont prêté 15 600. Les guides avaient bien dit, ma petite voix m'avait bien dit que qu'ils me prêtent, qu'ils ne me prêtent pas, mais après ça, qu'ils verraient m'aider. Papa, il n'y a jamais personne, même pas Daniel, ne savait même pas le montant qui me manquait. Et quand tu dis personne, là, à part que moi, il m'arrive un de mes frères, puis quand on en parle, on a les larmes aux yeux tous les deux. Il arrive au bureau, il me met 5 000 $ sur le bureau. Regarde bien ce qu'il me dit. Il dit, je sais que tu en as besoin, puis tu es encore trop orgueilleuse pour le demander. Wow. Ça vient-tu confirmer les paroles que j'avais reçues? Mais que j'avais fait quand même un pas. Hey, j'en pleurais. Ah, j'ai la chair de poule. Fait que donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup dans des choses. Fait que là, quand il y a des affaires... ils me disent, ben là, c'est l'ego. Là, je vais vraiment m'ouvrir parce que je me dis, j'ai pas à laisser mener ma vie par ça. Je dois être authentique. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voyez que je suis pas tout le tour pareil, autrement dit que tu me reconnais pas quelque part, ben viens me cogner pour me dire que je suis pas dans bonne direction. Être en cohérence avec ce que tu prends. Oui, fait que c'est pour ça. Fait que donc, il y a eu des... Fait que ça, tu vois, puis quand j'écrivais aussi, quand j'ai écrit Eugénie raconte, mon premier livre, c'était vraiment spécial parce que j'avais pas prévu écrire. C'est un rêve que j'ai fait en premier, que c'est comme si j'ai rêvé le résumé du livre. Puis le matin, je me suis levée, j'ai dit à mon chum, et que c'est beau ce que j'ai vu. J'ai dit, si on aurait un appareil qui pourrait se connecter après notre cerveau, puis tout filmer ça, hey, c'était tellement beau. Mais je l'ai écrit.
Puis je pensais pas que ça ferait un livre un jour. Puis un bon matin, puis là, moi, j'avais marqué guide. J'avais pas marqué le nom de l'âme et tout ça. Puis un bon matin, ils ont dit, bon, maintenant, tu l'écris. L'âme, c'est Eugénie. Le guide, c'est Joshua. Puis là, tu l'es. Moi, mais c'est pas important, ça. Tu le mets. Parce que sinon, ça bloque tout le reste et tu le mets oui, pas. Oui, justement. Fait que là, je l'ai fait. Puis là, quand je suis arrivée, ça, j'étais au centre quand c'était tranquille. On aurait dit qu'il descendait un cylindre de lumière, que j'étais au cœur du cylindre de lumière, et là, mes doigts fonctionnaient. Le téléphone sonnait. Le cylindre restait là, mais ça partait pas. Ben oui, peut-être qu'il se tassait parce que j'avais. Si mon mot était pas fini d'écrire, je savais même pas c'était quoi le mot. Je répondais au téléphone, je fermais le téléphone. Oups, ça continuait vraiment à écrire. Mais s'il rentrait quelqu'un dans le centre, là, ça disparaissait complètement, ce cylindre-là. Ça allait au lendemain. Il y a été une nuit que ça a voulu me réveiller. Je leur ai dit que moi, j'avais un corps physique. Que lui, il avait besoin de repos. Je me le donnerai le lendemain. Puis, je m'étais ostinée. Puis, j'ai toujours eu deux jours. Fait que c'est pour ça que la petite voix, pour moi, je me suis mise à l'écouter davantage. Puis, pourquoi l'oreille gauche? Parce que c'est comme ça que ça se manifeste. Pour moi, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est pour ça que je peux pas te dire. Peut-être d'autres, ça va être. Mais moi, c'est vraiment l'oreille gauche. Puis, le Salon international du music, comme tu disais tout à l'heure, c'est sa 7e édition. Tu as commencé ça à quel endroit? En 2010, à Beaumont. À Beaumont. Puis là, maintenant, tu es rendue au Centre des congrès. Oui, 2011, je suis venue au Centre des congrès. Ça me faisait peur énormément. Tu reçois combien de personnes par année? On a environ 6500 visiteurs. Wow. Puis là, les exposants, cette année, on a 144 exposants qu'on a mis. Il y a 147 tables, mais que ça devrait faire environ 144 exposants. C'est toi qui organises tout? Là, cette année, Jennifer va travailler avec moi parce que Jennifer est très habile avec le Facebook et tout ça. Moi, je vais en mettre un peu, mais c'est moins mes habiletés et tout ça. Fait qu'elle a beaucoup d'idées, elle, pour ce côté-là. Fait que d'un sens, je l'embauche pour travailler pour ça. Steve, lui, c'est les contrats, c'est le site web, c'est le livret publicitaire qu'on fait. Fait que Steve, c'est vraiment tout ce gros-là. Fait que lui, quand on reçoit le contrat, il y a cette année que c'est moi qui fais les ventes. Parce que là, d'habitude, c'était André. Mais comme j'avais eu une bonne augmentation, fallait que je coupe à quelque part, puis je voulais pas trop augmenter Kia. C'est que donc, je me suis dit, je vais y aller lentement, mais sûrement. Tu sais, fait que c'est le côté, mais j'aime bien contacter les gens. Est-ce que tu as l'impression, parce que, tu as été malade, est-ce que tu as l'impression que c'était un message de la vie, le fait que tu sois malade ou que tu avais vraiment épuisé tes ressources à être une workaholic autant que tu l'as été? Je vais dire dans ma vision. Hier, quelqu'un me parlait puis qu'elle a eu un cancer puis elle a dit, je comprends pas avec tout ce que j'ai fait, le travail sur moi, comment c'est que j'ai eu un cancer et tout ça. Moi, on arrive sur Terre, on a une construction neuve, notre petit véhicule. Mais notre petit véhicule dans notre construction neuve, il a peut-être ramené des mémoires que c'était un parasite qui était là, mais qu'on le savait pas. Tu sais, parce qu'il est beau, il est tout neuf, là, on voit l'extérieur. Fait que tu grandis avec ça, tu vas continuer à avoir toutes tes choses, tu vas faire un super de bon travail sur toi et tout ça, puis d'un coup, puis t'arrives quelque chose comme ça. Fait que pour moi, je dis, dans ma construction, il y avait une faille. J'ai toujours entretenu ma maison dans qu'est-ce que je voyais, mais il y a une partie peut-être qu'il y avait une racine d'un arbre qui était venue faire une craque dans ma fondation. Ça, tu pouvais pas l'identifier là à ce moment-là. Tu pouvais pas dire c'est telle chose qui a créé ça. Malgré que je savais depuis 2008 que j'avais la leucémie lymphoïde chronique. Tu le savais depuis 2008? Oui. Puis tu t'en es pas occupé? Pas tellement. Pour moi, ça me faisait pas peur. Eh hey, mon Dieu. Ça m'énervait pas. Même j'ai dit des affaires au médecin, je les comprends avec ce qui est arrivé là. Comme Néane a dit, madame, c'est sûr, vous allez avoir de la chimio. Fait que j'avais montré mes mains, j'ai des taches de rousseur sur les bras, puis dans le visage aussi. Fait que j'ai dit, regardez. Elle dit, quoi? Ben, j'ai regardé, c'est de la rouille. Tout ce qui rouille, c'est parce qu'il y a du fer. Fait que j'ai une santé de fer. Elle dit, vous êtes pas drôle. Tu as refusé les traitements pendant que... C'est pas que je les refusais, c'est mon corps qui était assez fort pour pas avoir besoin de traitement. Parce que moi, en premier, c'est les leucocytes qui étaient trop élevés. Ils m'avaient dit quand les leucocytes doubleraient, que là, j'aurais de la chimio. Sauf que à faire ce qu'on aime, tu t'entends bien le mot « faire », ben normalement, quand tes globules blancs sont pas bons, ben ils détruisent les rouges. Mais là, mon fer restait bon. Fait que c'est ce qu'il a fait, là, quand j'ai doublé.
on ne peut pas vous donner de globules rouges. Tu sais, on ne peut pas vous donner de chimio. Vos globules rouges sont encore bons, puis vos plaquettes aussi sont bonnes. C'est comme pas normal. Fait que donc, ça l'a continué, ça l'a encore doublé du double. Mais encore, mon fer était bon. Fait que, tu vois-tu, de faire ce qu'on aime, on retarde. Sauf qu'un jour, le processus de l'autre devient que tu t'auto-détruis. Parce que dans un sens, c'est comme si tu vois pas la faille, mettons, dans le béton, là, qu'il y avait un arbre, on va parler des saules pleureurs, tu sais, qui s'en vont, puis tout ben, d'un coup, il y a eu la faille dans ton salage, mais que tu l'as pas vu, qui est allé briser tes fondations. Mais il était là, mais il y avait cette racine-là. Tu as traîné ça combien de temps avant? Ben, c'est en 2014 que tout a éclaté. Mais mon Dieu, 6 ans de temps. Ouais. T'as porté ça 6 ans de temps. Oui, mais comme tel, tu vois, j'avais recommencé à aller en Europe. Ouais. Tu donnais des conférences là-bas. C'est ça, conférences, formation. Bon. Fait que ça, d'un sens, on le sait, le décalage horaire, ça rentre aussi dans le corps. Fait que d'un sens, c'est que j'ai donné des outils pour cette partie-là. Fait que j'ai monté mes leucocytes à au-dessus de 300 000 quand je suis revenue. Fait que là, c'était plus que dangereux. Mais en l'espace d'une semaine, j'avais redescendu de 100 000. Fait que là, ils comprenaient pas ça. C'était dangereux encore. Mais là, ils ont dit, faut aller voir c'est quoi. Mais là, c'est parce que la leucémie, moi, elle a attaqué mon foie. Oh. Normalement, ils disent que la leucémie reste dans le sang, mais elle ne va pas attaquer les cellules du foie. Mm-hmm. Fait qu'avant qu'elle trouve, ça allait être au mois de juin. Et pourquoi tu penses qu'elle avait attaqué ton foie? Ben, toute la colère retournait. Pour moi, je restais une personne toujours douce. C'est comme si je ne pouvais pas sentir que j'avais de la colère. Ah, que donc ça, je me retrouve. Parce que souvent, tu ne la sens même pas, cette colère-là. Mais tu ne veux pas la sentir. Parce que tu veux être anesthésiée de base. Ouais, tu veux être anesthésiée de naissance. Tu ne veux pas passer pour la méchante. Non, justement. Fait que naissance, ça veut dire que c'est toujours retourné contre toi. Ouais. Puis un jour, après ça, quand ils ont commencé la chimio, pour de la chimio, normalement, tu dois avoir un système immunitaire, au moins une base. Oui, oui. Mais là, moi, il n'y en avait plus. Ils ont tenté de le faire repartir avec des transfusions d'hémoglobuline. Ça choque, là. J'ai rien. Ça n'a même pas bougé de point 1. Je me suis piqué un épogène. Ça n'a pas bougé de point 1. Fait que l'an dernier, là, ils étaient en train de me perdre parce qu'ils ont dit qu'ils ont failli me perdre plusieurs fois. C'est vrai. Parce que j'ai dit, je pense que j'ai 9 vies. Ils m'ont dit que non, j'en avais 11. Fait que j'en ai eu 2 en bonus. Fait que là, je pense que les bonus sont finis, là. Fait que j'ai besoin de faire attention davantage. Oui, là, je vérifie mon corps plus souvent. Okay. Parce que là, ça fait l'année passée, à ce temps-ci de l'année, tu étais à l'hôpital, je me rappelle bien. Je sortais le 11. Demain. Ouais, comme demain, je sortais d'une opération d'une cholécystite grave aiguë. Et le 5 février. Qui découlait de tout ça? Oui, là, j'ai su après que les deux que j'ai faites en février, ben, tu étais venu me voir après que je sois sortie du coma, là. Parce que l'autre, ça a été une pneumocystite. C'est d'avoir reçu la chimio sans système immunitaire. Ça l'a causé au niveau de mon foie une partie, là, mais dans un sens, ça a fait un gros papillon dans mon foie, fait qu'il est parti, il voulait prendre son envol. Mais pour l'autre, ça a créé des champignons au niveau de mes poumons. Que ça, il appelle ça une pneumocystite, fait que ça, il dit que ça serait à vie, mais je sais que ça achève de partir pour moi, à condition que je reste vigilante. Pour toi. Oui. C'est le côté qui est important. Moi, ça me ramène aux conditions de quand je suis revenue sur Terre. Oui, parce que ça, c'est le goût de nous en parler, parce que tu as fait une expérience de mort imminente. Oui, puis j'écoutais, je sais pas, on sait que le beau Yves Corneau qui est parti le 5, là. Ça nous a touché à terre. Ah oui, énormément, mais il avait fait un petit vidéo que lui, quand il a vécu la mort imminente, c'est la même description que j'avais, là, dans le sens. J'allais republier, tu l'avais publié. Oui, la joie que tu reviens dans ton corps. Ton corps est comme une poupée de guenille. Mais la joie, il n'y a pas une seule cellule qui ne vibre pas de joie et de bonheur. Quand tu reviens? Oui. Puis le mental, il est toujours là. Tu vois-tu, c'est ça que j'ai trouvé fort, parce que mon mental était là. Il me disait, comment ça, ton corps est une poupée de guenille? Les gens, t'es molle, les gens, faut tout qu'ils le virent. Tu te laves même pas tout seul. Puis tu le sens vibrer de joie. C'est là qu'on doit apprendre à venir vivre ça sur Terre, mais en restant conscient. Parce que toi, dans cette expérience de coma-là, t'es allé ailleurs. Oui, ben j'ai vu des bonnes amies qui étaient décédées. Oui. J'ai vu de la famille. Puis l'autre gang, j'ai pas eu le temps de voir c'était qui. Ça devait être d'autres amis ou quoi que ce soit. Mais il y avait du monde pour accueillir. T'étais bien dans ça. Oui, t'es vraiment bien. T'arrives là, puis tu sens la joie là. Mais là, tu le sentais pas dans le corps. C'est comme si tu l'as pas ramené dans ton corps. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment de la joie. C'était un accueil chaleureux des gens que tu veux, qui ont souffert ici. Mais là,
le bonheur qui dégage, c'est beau. C'est beau, mais c'est à l'infini. C'est comme s'il n'y a pas aucune limite. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de fond, il n'y a pas... C'est sans limite. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Puis on t'a demandé, est-ce que on t'a offert le choix, tu reviens ou c'est tu moi pars? Qui ai choisi. Mes petites sœurs, moi, je pensais que c'était Danielle qui avait ramené, parce que moi, à chaque fois que j'étais hospitalisée, j'amène la musique de Robert Gregson, de Peter Tlérin, de Bradfield, puis de quelques autres, mais surtout Robert. Je commence toujours par Robert. Puis mes sœurs ont emporté les CD de Robert. Puis quand ils ont mis ça, j'étais vraiment avec la gang. Puis je te dis, c'est de la joie. Mais j'entends la musique de Robert, mais je sens qu'elle pas... Mais qu'elle se rend jusque-là. Je les regarde toutes, mais j'ai dit, c'est pas ici. J'ai d'affaires, j'ai pas fini. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je leur ai toutes dit bye-bye et je suis retournée. Puis quand je suis arrivée pour retourner, j'ai pas pu revenir directement dans mon corps. Pourquoi? J'ai une voix qui m'a parlé. Okay. Bon, c'est qui la voix, je ne sais pas, mais c'est une voix de sagesse. Elle m'a dit, bon, tu veux revenir, mais maintenant, tu as des conditions. Tu as des choix à faire. Même je l'ai fait le choix, je reviens. Tu sais, c'est simple, c'est un choix. Ben, pour moi, c'est un choix. Elle dit, non. Même j'ai dit, tu vas revenir à condition que tu fasses un choix. Mais c'est quoi le choix? Moi, je le comprends réellement pas. Par exemple, sincèrement, dire que je le comprenais, non. Oui. Ils ont dit, en ce cas-là, on va être plus tard. Tu vas garder le salon et tu vas garder tes cours relations d'aide, soins spécifiques. Okay. Le restant, tu laisses tout tomber. Même la radio, ça prend, c'est juste 2 heures, tu sais, me semble, puis j'aime tellement ça. Mais 2 heures plus le samedi. Oui, mais il m'a dit non. Même, j'ai dit, ça me prend pas. Non. Après ça, la maison d'édition, ben j'ai dit, c'est Yves, surtout qui fait le travail. Moi, j'en fais beaucoup moins. Non. Puis après ça, j'en nommais d'autres. Non. Fait qu'ils ont été très spécifiques, peu importe qui c'est, là. Oui. Pour te dire, ça puis ça, c'est beau, c'est ça ta mission, le reste... Ça fait pas partie. Fait que donc, puis aussitôt que j'ai accepté, mes sœurs, eux autres, ils ont mis la musique, puis ils sont restés là. Parce que j'ai pas entendu moi parler. Des fois, il y en a qui entendent parler, mais moi, je pense que j'ai chupé plus loin tout de suite. D'un coup, mes sœurs, ils ont dit, après un certain temps, on a vu tous tes signes vitaux changer complètement. Quand tu n'as plus rien intégré ton corps. Aussitôt que j'ai accepté, là, ça change. Puis je te dis, c'est là, ton corps, tu le sens bouger tellement qu'il vibre de joie. Il n'y a pas une seule cellule qui ne vibre pas. Puis tu restes longtemps, longtemps comme ça. Là, j'y repense, là, je suis en train de le perdre un peu, cette Ah oui, parce vibration. Que ça s'est maintenu aussi longtemps. Ça s'est maintenu, pas un an, là, parce que ça fait pas un an, là. Mais ça s'est maintenu un bon 9 mois comme faux. Wow! C'est bon, je vous dis, c'est... Là, je dis, je suis en train de le perdre parce que je dois être en train de me perdre un peu. Oui, tu t'éloignes de toi, là. Oui, ben moi, c'est ce que j'ai l'impression. Fait que là, je me remets en position. Fait que là, je médite davantage. Tu sais, parce que je dis, j'ai à me ramener parce que je sais qu'on peut l'amener sur Terre. Je l'ai amené pendant un bout de temps. Fait que j'ai pas besoin d'être malade pour le ramener. Fait que là, tu vois, il reste plus de leucémie dans moelle osseuse. Il reste. C'est sûr que j'appelle, je suis. Pour moi, il est plus là. Je le vis au moment présent. S'il revient, c'est juste qu'il restait peut-être une petite gurnotte à quelque part, j'appelle ça de même, tu sais, pour me ramener dans le droit chemin. As-tu l'impression d'avoir appris ce qu'il fallait que tu apprennes, puis d'avoir respecté ton contrat, j'ai finalement? J'ai appris pour apprendre à vivre l'amour ici, il faut vraiment commencer par soi. Tellement d'accord avec toi. Bien, avec, oui, tous tes écrits valident tout. Qu'est-ce qu'on a à vraiment venir apprendre? Qu'est-ce que j'ai par la traversée? C'est pour ça que je dis tes livres, c'est mieux un jour à la fois. Là. C'est tellement un livre que les gens devraient l'appliquer au quotidien, l'ouvrir au hasard ou quoi que ce soit. Oui. C'est des moments pour se ramener, parce qu'il faut trouver des moyens pour se ramener. Parce que si on se ramène pas, on n'est plus dans le moment présent. Oui. Puis j'ai remarqué, tu sais, quand tu étais venue me voir, oui, j'étais encore avec la bonbonne d'oxygène. Oui. Hein? Oui. Puis la nuit, fallait qu'ils montent l'oxygène, j'en manquais. Oui. Fait qu'eux, en premier, ils ont parlé peut-être que je ferais de l'apnée du sommeil. Fait que moi, je me suis dit non. Je vais observer quand est-ce que la machine, je l'ai appelée la machine tasse-toi, mon oncle. Pourquoi? Parce que elle se mettait d'un coup, quand je baissais dans mon niveau d'oxygène en bas de 90, là, elle faisait bip, bip, bip. Ah. Fait que là, je me disais, bon, c'est quoi ce qu'il veut que je tasse? Fait que c'est pour ça, tasse-toi, mon oncle. Fait que là, je me disais, bon, qu'est-ce que j'étais en train de penser? Ça, si on pourrait, nous, à chaque moment dans la journée, quand il y a quelque chose qui a un stress ou quelque chose qui embarque,
qu'est-ce que je suis en train de penser? Ouais, reculer un petit peu dans le temps seulement. On recule, puis on le voit. Je n'étais pas dans le moment présent. OK, je respire. Tu sais, hier, il y avait une conférence de Serge Marquis, que j'adore, que tu connais bien, que les gens connaissent bien, qui nous parlait justement, tu sais, d'être vigilant de nos pensées, puis il racontait des choses aussi simples que lorsque il s'est mis en couple avec sa nouvelle conjointe qui avait une petite fille, et lui n'en avait pas d'enfant, puis que lui, son père lui avait montré que le tube de pâte à dents commence à peser par l'extrémité, à l'opposé d'où ça sort. Puis il dit qu'il rentre un moment donné dans la salle de bain, puis la fille de sa blonde a serré du début, puis que là, tu sais, il dit, mon petit hamster s'est mis à rouler, puis il dit, comment ça se fait qu'ils font ça comme ça, c'est pas comme ça, puis là, il racontait plein de petits détails comme ça. Puis souvent, notre mental, notre hamster, notre ego, il part tout seul, puis on le laisse aller, tu sais, on laisse aller, excusez-moi, on fait des signes. On le laisse aller, puis on le contrôle pas, ce qui fait qu'à un moment donné, on perd le contrôle, on est mal, on a des sensations physiques qui sont négatives. Exact. Puis là, on se dit, comment ça se fait, je file pas? Comment ça, je t'en maudis? Tu sais, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que... Puis si on reculerait dans le temps, comme ça, dire, qu'est-ce que j'étais en train de penser? En fin de compte, ça m'apporte quoi? Mais de respirer après ça pour se ramener ici. Parce que c'est ça, à chaque fois que tu as mal dans ton corps, va voir, il y a quelque chose que tu viens d'éveiller à quelque part. C'est sûr. Puis c'est vraiment de réussir à se ramener. Puis pour moi, la respiration est vraiment un élément super, super, super important. Puis, je pourrais même, les auditeurs, je pense, j'en ai déjà parlé dans une autre émission que j'avais fait, la respiration des 8 ans. De le prendre, puis en même temps, ça l'aide à nettoyer votre corps mental et votre corps physique et votre corps émotionnel, votre corps spirituel. Vous respirez, mais en comptant 1 jusqu'à 8 tranquillement. Vous retenez après ça 1 à 8 aussi. Après ça, vous expirez en comptant encore 1 à 8. Et après ça, vous retenez 1 à 8 encore. Vous faites ça 12 fois. 12 fois. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu nettoies une couche de tes corps. Ah oui! Puis c'est vraiment ça, la respiration des 8 temps. J'avais déjà marqué sur Facebook, mais ça fait, je sais pas, ça va être peut-être loin à chercher. Mais la respiration des 8 temps, vous allez vous ramener parce qu'à chaque fois, on nettoie nos couches. Fait que les premières fois, il va falloir peut-être que vous le fassiez 3-4 fois dans la journée. Mais vous allez venir qu'à une fois par jour, vous vous ramenez beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on nettoie nos couches. Parce que dans nos couches, on a des mémoires. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, hey, comment ça qu'ils font pas ça comme ça et tout ça? Pourquoi? Parce que c'est des mémoires. Mais, est à quelle couche? Es-tu dans le mental? Dans le conscient? Tu sais, fait que, d'un sens, c'est qu'à force de le faire, on le nettoie, qu'on le regarde. Ben, ça, c'est eux. Puis moi, c'est moi. Oui. Ben, c'est beaucoup, hein, tu sais, notre ego qui veut tout le temps avoir raison. Puis ben que, oui. Qui juge tout le temps, puis qui s'estime, puis qui. Les autres sont donc ben pas corrects. Moi, je suis donc ben parfait. Hein, tu sais, on est tout le temps dans ce discours mental-là qui est pas bon pour nous. Puis comme Serge Marquis disait tantôt, hier, puis comme tu le disais tantôt, à partir du moment où on s'en rend compte. Bon, mon hamster est encore parti sa brosse, là. Oui. Juste en être conscient, c'est déjà un grand, grand, grand pas. Oui, oui. Puis, je sais pas, dans des personnes qui ont lu Eugénie raconte, hein, il y a l'histoire du valet et du roi. Hein, le valet, c'est notre mental. Oui. Ben quand est-ce que le roi va prendre vraiment son royaume en main? C'est nous. Fait que c'est pour ça, si le roi il voit que le mental s'emballe, il doit être capable lui d'être assez maître pour l'arrêter. Dire un peu, on prend une pause ensemble. On va se situer où est-ce qu'on est. Plus qu'on va faire ça, plus que d'un sens, notre vie devient beaucoup plus simple. Puis on l'accueille. Fait que si j'ai une douleur, mais que je veux m'en débarrasser, elle va rester là plus longtemps. Parce que d'un sens, elle veut te dire un message. Fait qu'il faut qu'on comprenne le message avant. J'appelle l'accueillir. L'accueillir. L'accueillir, c'est comme l'accompagner pour faire un bout de route ensemble. OK. T'es là pour... t'es mon guide pour un bout de temps, mettons. Oui, ben viens-t'en, on va marcher ensemble, puis on va discuter ensemble, puis on va se connaître. Plus que tu vas l'accueillir, plus qu'il va vraiment perdre de la puissance. T'sais, autrement dit, il sera pas là comme quelqu'un qui va être très rebelle pour être sûr que tu l'écoutes et que tu comprennes. C'est pour ça que... Puis souvent, c'est la partie que les personnes ont plus de difficultés quand il y a une souffrance, c'est de l'accueillir. Oui.
Ben oui, on résiste, hein? Ben on oui. la veut pas, ça Puis fait plus mal. Que tu la veux pas, plus qu'elle va rester, plus qu'elle va prendre l'emprise, parce qu'elle va dire, hey, je veux que tu comprennes le message. Mmh. Moi, c'est juste pour te ramener sur l'amour de toi-même. C'est pour ça, accueillir pour moi, on parlait d'accepter, mais accepter, accueillir pour moi est encore plus. Parce que je fais mes pas avec la partie. Oui, mais accepter implique souvent de renoncer à nos propres désirs, tandis qu'accueillir, ça dit, bon, OK, j'aimerais mieux que ça se passe pas comme ça, mais c'est là. Oui, c'est ça, on va la faire la route ensemble. C'est ça. Tu parlais tantôt qu'on t'avait demandé, et ce que tu fais encore, des soins spécifiques. Je l'enseigne maintenant. Tu l'enseignes. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que je trouve ça tellement merveilleux, ça. Ça, c'est la relation d'aide, soins spécifiques. Il y a des soins pour les cancers, il y a des soins pour la colonne vertébrale, il y a des soins pour l'arthrose, il y a des soins pour l'arthrite, il y a des soins pour le tunnel carpien, il y a des soins pour l'épine de l'œil noir. Bon, en tout cas, il y en a énormément de soins. Pour moi, les soins sont super efficaces. Puis on le voit parce que là même, j'ai eu un beau cadeau dimanche, un de mes amis qui est venu, qu'on a fait. Il a reçu 3 soins pour le cancer du pancréas. Oh my God! Si tu voyais comment c'est qu'il est beau. Puis même quand il a reçu un des soins, il y a des amis, ils l'avaient vu comme parti. J'ai dit, faites le soin. Son âme est en train de choisir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle part ou est-ce qu'elle va s'incarner? Avec le soin, il va savoir quoi faire. Qu'est-ce que c'est le soin? C'est un reiki? C'est un soin énergétique? Il y a des soins pour le reiki. La leucémie, c'est le reiki que ça prend. Okay. Mais tandis que les autres, on travaille avec différentes énergies, on va toucher le corps, il n'y a aucune manipulation. Par exemple, on touche le corps, mais on travaille aussi sur le corps d'énergie. À chaque fois que tu vas travailler ces soins-là, c'est certain qu'on va faire, on appelle physique, mais physique, c'est uniquement toucher. On va travailler avec différentes énergies en fonction du soin, en particulier du besoin de la personne. Fait qu'on a chacun, il y a un cahier tout fait pour chacun des soins, avec quelle énergie, la durée. La durée est importante aussi. Des fois, c'est 30 secondes, d'autres fois, c'est 2 minutes et tout ça. Qui peut faire ces soins-là? Tout le monde. T'es-tu sérieuse? Tout le monde peut apprendre ça puis pouvoir l'appliquer dans la famille. Soigner les autres. Aider les autres, ne pas s'oublier, s'aider soi-même aussi. Wow! Pourquoi en même temps que je mets la relation d'aide? Parce que des personnes que si on va conscientiser, qu'est-ce qu'il y en a? Comme mettons, si on joue avec le nom du problème de santé, il vient te dire un paquet de messages là-dedans. Genre syndrome du côlon irritable. Bon, dans syndrome, OK, si... Déjà, mettons, je joue un petit peu avec les lettres. Là, si vous voulez l'écrire, les auditeurs, vous allez voir comment je joue avec mes lettres. Fait que déjà, si, ça fait une note de musique. OK. Je vire, je prends le M et je le mets avec pareil le Y. J'ai le droit aux fautes d'orthographe. Hein, je vous dis, ça fait mi. Fait que d'un sens, la musique va être très, très important. Ça va être de la musique soit en jouer, soit en écouter, soit en composer. Je sais pas, mais la musique est très... C'est important, OK? Drôme, puis regarde dans drôme, j'enlève le R, ça fait Do. Fait qu'imaginez-vous la musique. Fait que cette personne-là, actuellement, sa vie n'est pas mélodieuse. Fait qu'avec la musique, il va trouver la mélodie pour l'amener sur la mélodie de sa vie. Après ça, vous savez, un drôme, ça le dit, hein, syndrome. Regarde, les drômes sont tous téléguidés. Puis c'est contrôlé à distance. Ça veut dire c'est d'autres qui me contrôlent. Seigneur! Fait que là, hey, je dois, whoop, puis contrôle qui? Me. M-E. Fait que donc, je dois dire, oh, maintenant, est-ce que moi, je décide d'être moi, mon opérateur? Est-ce que je peux prendre, moi, d'apprendre à m'écouter puis écouter de la musique pour retrouver ma mélodie de ma vie? Colon. Wow. Bon, t'as collaboration. T'as long, je trouve ça long. Vous voyez, tu joues, là, j'en mets juste un petit peu. Mais en même temps, je vire, je fais elle aussi, ça fait un lock. Oh, mais j'ai fermé collaborer. Parce que d'un sens, ça ne va pas à ma façon que je pense. Mais tu sais que dans la vie, on a à collaborer différents. Puis c'est certain qu'il n'y a pas personne qui pense pareil. Fait comment je peux m'adapter de mettre plutôt un objectif, mais qui soit fait comme il voudra, mais mon objectif. Fait que, parce que ça, c'est le parcours souvent qui vient nous irriter là-dedans, ça le dit, irritable. Oui. Fait que là, se dire, oups, j'oublie, il fera de la façon qu'il voudra. Moi, mon objectif, j'en ai besoin pour telle date, telle heure, telle chose. Avec ça, j'arrête de m'irriter.
Et ces formations-là, c'est extraordinaire parce que on pourrait faire 4 heures. On survit. On part sur Vienne, Thérèse, puis vite, à part ça. ces formations-là, ça dure combien de temps? Quelqu'un, si on veut suivre ça? Pour celui-là, je mets pour en même temps qu'on ait le temps de l'intégrer. Comme là, j'ai un groupe qui débute le 29 janvier. Mmh. C'est les dimanches. Pourquoi que je fais ça le dimanche? C'est drôle aussi, hein? Le dimanche, c'est la journée de la lumière. Qu'est-ce qu'on veut que chacun retrouve à travers ça? C'est la lumière. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça, la journée du soleil, la journée de la lumière. On retrouve notre soleil intérieur. On l'a tous. Fait que ça, tu donnes ça à ton centre de santé? Il se donne à Beaumont. C'est soit au centre communautaire ou à l'école. Ça va être peut-être plus au centre communautaire cette année. OK. Tu as des groupes de combien de personnes? Groupe d'environ 10-12 personnes. Okay. Tu sais, c'est quand même... Parce que je veux vraiment les gens pratiquent entre eux. Sauf que quand... Pour les soins, pour les cancers, on fait venir des gens qui sont atteints du cancer. On leur demande de donner leur nom. Ils reçoivent 3 soins gratuitement. My God. Parce que je les fais venir une fois aux 15 jours. Puis on voit, une fois aux 15 jours seulement, ils ont des résultats s'ils le veulent. Si l'âme, elle a choisi que c'était son temps de partir, mais elle va partir, mais avec une harmonie dans son être, elle ne sera plus dans la peur. Ça dure combien de temps, tes formations? Cette formation-là, le module 1A, lui, dure 12 jours. C'est une journée aux 2 semaines. La fin de semaine, ça aurait tombé la même fin de semaine que Cathy. Fait que ce mois-là, il va y avoir juste un cours. Parce que d'un sens, je vais être au salon à Cathy. Ah. Au salon de l'éveil. Fait que c'est pour ça. Fait que d'un sens, j'ai repoussé. Mais sans ça, je mets une fois aux 2 semaines. En ayant une journée aux 2 semaines, ça nous donne le temps de pratiquer. De l'intégrer. Ça donne le temps de le laisser placer. Ce qui est important, les gens, il faut qu'ils viennent le faire pour eux, premièrement. Pour se soigner soi, d'abord, non? Pour se découvrir. OK. Encore plus loin. Même si on a beaucoup d'outils pour se découvrir, il y a encore des petits outils. Puis il y a des outils que tu vas faire le choix aussi, que si tu veux travailler avec les autres après ça. Parce que si tu le fais juste pour les autres, il y a beaucoup de choses que je te fais travailler sur toi. Parce que si tu es capable, tu vas comprendre le degré de la difficulté aussi que l'autre, des fois, va avoir. Parce que des fois, on le sait, hein, il y a des gens, comment ça fonctionne pas avec... Est-ce que ça arrive que des gens arrivent pas à donner ces soins-là? Mettons, des participants qui disent... Ben, j'en ai une en particulier dans le groupe là, qui ont terminé, qui ont leur graduation. Elle, pour les cancers, elle, pour l'instant, son conflit d'avoir perdu son frère, il est trop fort. OK. Fait qu'elle, quand elle arrive pour faire un soin pour le cancer, elle n'est vraiment pas bien. Fait que là, elle sait que là, elle, alors, elle continue à travailler sur cette partie-là, sur elle, avant d'aller pour les autres. C'est pour ça que c'est fascinant parce que tu vas voir où est-ce qu'il y en est, puis on va outiller aussi pour la personne qu'elle puisse aller plus loin. Oui. Il y a des soins que certaines personnes vont dire « Oh, moi, celui-là, il me tente moins. » Ben, fais pas lui. Tu as les autres. Puis il y a toujours, si mettons un soin, tu n'es pas à l'aise de le faire pour celui-là, ben tu vas avoir un autre outil qui va pouvoir remplacer. Fait que dans un sens, tu es outillé. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des dons particuliers? Oui. Oui. Oui, puis c'est formidable. Avec ça, ils vont pouvoir l'avoir, mais toujours en remettant que le pouvoir reste à la personne. Pas au thérapeute. On n'impose pas de guérison ou d'amélioration. Non, justement, parce que même j'avais ma belle-fille qui est enceinte, là, elle a eu sa belle petite fille, là, Noël. Elle, quand elle est venue se recevoir, parce qu'on a des soins pour les femmes enceintes aussi, on peut aller même jusqu'à l'accouchement pour des soins pour faciliter l'accouchement. Ça, je vais aller travailler un jour avec les maisons des naissances. Oui. Elle, le cordon ombilical, il était trop petit en premier pour nourrir le bébé, même il pensait peut-être de lui faire. Puis après le soin, ils ont passé un écho. Le cordon est devenu normal et tout ça. Puis la petite, vraiment belle, puis belle grosseur, elle a tout récupéré dans le temps de le dire. Mais elle, on a travaillé, elle a eu le soin, mais on a travaillé aussi au niveau des valeurs, les croyances. OK. Si le cordon ombilical est petit, qui nourrit au minimum, faut regarder dans la génétique, on pose la question, dans la génétique peut-être du père ou de la mère, est-ce que d'un sens, ils ont été habitués de se contenter du minimum? Mm. Si oui, ben l'enfant vient déjà avec cette valeur-là pour le désamorcer. Fait que si les parents font le travail... Parce que souvent, les enfants viennent libérer génétique transgénérationnelle. Fait que si on en parle ensemble, d'un sens, elle peut le libérer là. Vous voyez que la maman la libère. T'sais, fait que les gens qui ont le goût d'aller plus loin, ceux-là qui veulent pas aller plus loin, qui veulent juste le soin, ils ont juste le soin, mais ceux-là qui ont le goût de venir plus loin, ben on va plus loin avec eux, puis on voit des affaires vraiment... J'appelle merveilleux, mais c'est eux qui ont fait le travail de transformer. Ils ont accepté que, il y avait cette limitation-là. Ça, c'est toi qui as bâti ça, cette formation-là. Oui, avec les 20 quelques années d'expérience, plus de 20 ans quand même que j'ai fait de la consultation, tous les outils, parce qu'il y en a plein de modules, il y a 4 modules, il y a module 1A, module 1B,
Mais il y a aussi le module 2 qui va être avec les dates nous parle, lui qui débute au mois de février. Il y a le module 3 qui va être avec la géométrie sacrée, parce que ça, c'est une manière d'utiliser l'art pour se découvrir. Mm. Puis il y a le module 4 qui est avec le calendrier Kimberton, mais tout relié avec l'être humain, les petites fêtes, les grandes fêtes, les demandes, rétablir des relations qui est... qu'elle est moins bien, comment qu'on utilise ça. Donc, wow! Fait que là, ça, si on veut toutes ces informations-là, c'est sur ton site. Sur le site web de, du CETG.ca. CETG.ca. Oui. OK. Sinon, on tape Thérèse Gagnon dans Google, oui. Puis ça va nous amener. Oui. Là. J'aimerais... Puis, vous pouvez m'appeler aussi. Oui. C'est quoi ton numéro? 418. Oui. 833-9057. Oui. Okay. J'aimerais ça que tu nous parles des chiffres. Je vois l'heure passer, puis quand tu parles de ça, c'est tellement fascinant parce que on a essayé de ça fait longtemps qu'on cherche à t'avoir ici à l'émission, puis il y avait toujours des difficultés, puis quand on a fini par dire OK, ça va être le 10 janvier, tu m'as dit ah oui, c'est super parce que cette date-là, il y a ça. Ben oui, le 10 janvier. Raconte-moi les dates. Ben je vais te raconter comment c'est venu. Oui. Les dates nous parlent. C'est venu d'un petit cours de numérologie que Daniel Lapointe donnait. Mm. J'ai suivi ce petit 3 heures-là. Mm. Daniel Lapointe, maintenant, n'est plus de ce monde. Il nous a quittés en 2007, je crois. Puis, Daniel, pour moi, il a vu que ça me parlait. Fait que Daniel, après ça, il s'est mis, parce qu'il y avait quand même des groupes de 20, 25, 30 personnes, des fois plus. Fait que là, il me disait, Thérèse, t'es-tu libre, là? J'aurais un petit cours de numérologie, tu viendrais m'aider. Fait que moi, j'ai pensé que c'était juste que je faisais de la présence, mais en même temps, ça, c'est vrai que ça me parlait de, un petit peu, puis tout ça. Fait que donc, ça s'est développé comme ça. Lui, c'était dans, avec son cours de numérologie. Puis après ça, je me suis dit, mais ça peut pas être juste pour nos dates de naissance. C'est impossible, ça. Parce que si les chiffres viennent nous parler, ils doivent venir partout. Parle partout. Fait que donc, ça s'est mis avec les dates des événements. Quand quelqu'un arrivait, il vivait quelque chose, c'était quelle date? Ouais. Puis là, je lui décrivais, mais comment ça que tu sais ça? Ben, la date le dit. Comme aujourd'hui, on est le 10 janvier 2017. Ça fait 3-1, ça. Non, 2-10, puis 1-1, mais après ça, 3-1. Parce que l'année, pour moi, l'année de cette année, on dit une année 1, mais c'est une année 10-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 10. À cause du total? Oui, le 10, oui, le premier total, parce que c'est lui qui vient parler plus fort, mais il va après ça, il va être réduit à 1. Le 10, il a un sens cette année, les gens, prenez conscience que vous avez des dons. Allez-vous finir par arrêter de dire que c'est les autres qui ont des dons? Puis en plus, là, on est le 10. Tu vois-tu, on est entouré de 2-10 puis avec un 1 au centre. Mm. Mais pour ça, il faut faire quoi? C'est développer la confiance en soi. Fait qu'à chaque fois que tu as du 1, là, toucher la confiance en soi. Ceux-là qui sont encore dans le piège, ils vont se sentir contrôlés partout ou ils vont vouloir contrôler tout. Tu vois, c'est fascinant de regarder cette partie-là. T'sais. Mais en même temps, dans la journée, vu que l'année fait du 10, avec le 1 du mois, ça fait 11, ouvrir des portes. Puis même notre beau Guy qui est décédé, Guy Corneau, il est allé nous ouvrir des portes au niveau spirituel pour qu'on puisse ouvrir encore plus grand, à suivre notre route au lieu de suivre la route de ce que les autres veulent. Ou de ce qu'on ou de modèles qu'on prend qui sont pas nous finalement. Ben non, si tu prends le modèle, c'est parce que dans un sens tu veux plaire à quelqu'un. Ouais. Fait que t'es pas dans ta route. Puis quand on n'est pas dans notre route, puis regardons 11, ça fait comme les deux bordures du chemin. Si t'écoutes les autres, ça veut dire que t'es dans les fossés. Ou t'es dans les rebords. Vous savez que les mettent même des. Ça doit faire. Fait que dans un sens, c'est ça. Puis cette année, c'est vraiment tout le mois de janvier. Les départs qui vont se faire pour aller de l'autre côté. Il va en avoir encore beaucoup. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a du 11, les mois puis des années comme en 2000, il y en a eu beaucoup en 2016. 16. Pourquoi c'est une année 9? Les mois qui ont beaucoup plus de départs, c'est du 9 et du 11. Du 9 et du 11? Oui. Le 9 vient dire pour arrêter de s'oublier. Et le 11 dire suivez votre route. Mais ça, 11, c'est quand ça? 11, c'est quoi? Ben, l'année, comme là, t'as le mois de novembre. Mais après ça, mettons, comme cette année, comme on a une année 10, janvier fait le 11. Ah. Tous les premiers de chaque mois vont faire du 11. OK. Tu vois-tu? Fait qu'on va l'avoir plusieurs fois. Puis en plus, fait que d'un sens, déjà là, puis en plus, le mois de novembre va rester là. Fait que quand il y a du, mettons, des fois, on va dire, comment, en novembre, t'as le 11, qui est vraiment peu. T'as l'année avec le premier. À chaque fois que tu vas faire du 11. Fait que cette année, c'est sûr qu'on va avoir du 11 en janvier.
on va avoir du 11 au premier de tous les mois. Puis après ça, il y en a d'autres là, qu'on va pouvoir faire du 11 aussi. Fait que, alors toi, tu dis que cette année, c'est une année pour développer nos dons. Oui. Trouver notre voie, finalement. Pour trouver notre voie, mais avoir la confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, même si tu as des dons, les gens vont te le dire que tu as des dons, tu ne le croiras pas. Ou tu les exploiteras pas. Oui. Ouais. Fait que dans un sens, tu vas chercher plutôt à te contrôler pour être une bonne personne. Ça, c'est le piège. Oh my God. Parce que cette année, moi, j'appelle ça le syndrome de la bonne personne à tout prix. Oui, ben c'est ça. Fait que cette année, les gens, pour se sortir de là, ils vont arriver des expériences, mais ça va l'être, là. Ils vont monter en surface pour qu'on puisse le lâcher, ce syndrome-là. Ça, il peut arriver quoi, tu penses? Contrôle, perte de contrôle. Parce que c'est vraiment le côté qui est là. Mais c'est quand même, moi, j'appelle une année formidable pour débuter des nouveaux projets. Vous êtes protégés pour le faire. Ouais. Allez-vous vraiment vous faire confiance? Fait que tous ceux-là qui veulent, qui ont des idées nouvelles, mais qui vont attendre à leur retraite, c'est pas le temps d'attendre, là. Comme là, je suis en train de développer une série d'ateliers, là. C'est le bon moment d'y mettre en fonction. Oui. Oui, parce que c'est une année, c'est une année pour qu'on fasse des nouveaux départs. On a des idées nouvelles, c'est le temps de les mettre là, sans se surcharger. Tu disais aussi, déléguer, puis demander de l'aide, puis sortir le leader en toi. Ah. Toi aussi, là, dans un sens, parce que cette année, vous savez qu'un leader, un bon leader, s'il garde tout à faire le travail, il n'est pas un leader pantoute. Puis cette année, ça va être vraiment le leadership va prendre vraiment de la force. Mais on pour sent ça. Ah hein? Oui. On sent, il y a comme une urgence de travailler ensemble, puis de s'auto-motiver, s'auto-inspirer, je devrais dire. Exact. Oui, t'as très bien dit, en s'inspirant. Puis c'est là qu'on va pouvoir devenir des bons collaborateurs, de former, mais d'aller de l'avant. Puis, oublions pas que tout est expérience. Si ça marche pas tout à fait, t'as appris quoi? Ouais. Qui va te servir de tremplin pour aller là? Tu sais qu'il y a ça fait longtemps que je la raconte, cette histoire-là, mais il y a un monsieur aux États-Unis qui est un entrepreneur né, dont j'oublie le nom, malheureusement, faudrait que je fouille dans mes notes, mais il a fait faillite 16 fois. Ouais. Parce qu'il réessayait à chaque fois, puis il se partait d'autre chose. Puis à la 17e entreprise qu'il a fait, il est devenu millionnaire. Sais-tu pourquoi? Il s'est m'a donné des conférences sur comment pas faire faillir. Ben oui, justement. Incroyable, hein? Il a vraiment utilisé son expérience. Ben, toutes nos expériences sont bonnes. Même s'il y en a, des fois, ils disent, ah non, ça. Regarde qu'est-ce que tu as appris là-dedans. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui, parce qu'on a tout, dans tout ce qu'on a vécu, dans tout le vécu, pour moi, j'ai pas perdu rien. Non. J'ai toujours appris des choses. Je suis d'accord avec ça. Puis grâce à cet apprentissage-là, ça me permet d'aller plus loin. Oui. Grâce à cet apprentissage-là, ça me permet d'aller plus loin. Puis c'est pour ça que je dis, il y a des formations que j'étais allée chercher que eux, j'utilise pas parce que je trouvais qu'il y avait des failles. Mais c'est là que j'ai eu des noms de des gens que j'utilise encore tout ça puis que j'ai appris plus loin. Fait que c'est pour ça que je dis, il n'y a pas rien de perdu. Tu racontais tout à l'heure, avant d'entrer en onde, puis je pense que tu l'avais mentionné sur ta page Facebook aussi, à partir du 25 décembre, chaque jour est une représentation symbolique du mois. Comme le 25 décembre représente le mois de janvier. Okay. Le 26 décembre représente le mois de février. Etc. Mais le 31, lui, représente pas aucun mois. C'est le jour du pardon à mon passé. Oh, le 31, je dois laisser mon passé là, puis je repars à nouveau. C'est bon. Puis, si on le fait réellement, on voit que déjà en janvier, tout s'est amélioré pour juillet, août, septembre, aller jusqu'au 12, jusqu'au 6 en premier. Mais le 1er juillet vient valider ton mois de janvier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas eu le temps de prendre tes notes de janvier à décembre, tu n'as rien perdu pareil. Puis, si tu as perdu, mettons, on va dire que le 25 décembre, je me fâche avec mon beau-frère, puis là, on a une prise de bec. Oui, comme ça arrive souvent dans le temps des fêtes, dans certaines journées. Justement. Fait que là, si je fais pas le pardon le 31, le 1er janvier, c'est sûr que je vais me reprendre avec. C'est vrai? Puis, tandis que si je l'ai fait le pardon, ben voyons donc, c'est une expérience. Chacun a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut, etc. On voudra. Ben le 1er janvier, je vois le même beau-frère, mais ça va super bien. Ça veut dire mon pardon à moi, il est fait parce qu'il était l'acteur, il a joué son rôle, puis le mois, il est fait. Fait que donc, je viens de corriger mon mois de janvier. Quand tu racontes ça, tu dis le 25 décembre, par exemple, c'est le mois de janvier, le 27, c'est le mois de mars. Ça veut dire que... Est-ce que c'est l'émotion qu'on vit ou l'événement qu'on vit qui va être représentatif du mois associé? On va dire, ben l'an passé, moi, j'avais été hospitalisée le 2 janvier. J'ai rentré à l'hôpital le 2 janvier.
qui venait, mettons, pour mon mois de février, comme par hasard. Ouais, t'as vu, mais là, puis là, il trouvait pas. Ouais. Regarde, j'ai été faire un tuto. Moi non plus, je me trouvais pas. Hein, j'étais allée ailleurs pour revenir ici. Mm-hmm. Après ça, j'avais une chance de refaire un autre pardon aussi. Oui. OK? Fait que là, le côté du pardon, quand je l'ai refait, ben j'ai pas eu besoin de me retirer en août. Parce qu'en août, c'était vraiment le salon aussi. Oui. Parce que là, si je faisais pas mon pardon, parce qu'on a le 31, puis après ça, on est chanceux, on a une autre prise, c'est le 13 janvier. Ah oui? Oui. Pour pardonner? Pour se pardonner. C'est toujours se pardonner. OK, le 13, parce que c'est le même chiffre. Le 13, c'est le chiffre du pardon. Donc, par amour. Hmm. Parce que le 13, tu deviens que tu as confiance en toi et tu te réalises. Pour faire ça, il faut que tu pardonnes pour lâcher l'autre avec sa clôture. Ouais. Parce que moi, le pardon, je donnais l'image. Je cherchais une fois une image pour quelqu'un qui me disait non, je pardonnerai pas. Non, je pardonnerai. Ça me fait quelque chose à chaque fois que j'entends ça. Ouais. Puis là, l'image qui m'est venue, c'est qu'il y a une clôture avec du courant dessus. Elle est électrique, puis elle fonctionnait vraiment connectée. La personne qui nous a fait quelque chose, elle tient la clôture électrique. Et toi, comme tu ne veux pas y pardonner, tu tiens sa main. Parce que d'un sens, tu y en veux. C'est qui mange le coup? Mm. La journée que tu vas lâcher, que tu dis, ben OK, c'est une expérience, tu lui lâches la main, là, c'est lui qui va avoir son coup. S'il ne se pardonne pas, il va tenir là, puis il va essayer de rattraper quelqu'un d'autre pour que l'autre mange le coup. Ou bien, il va décider de se pardonner lui-même, d'avoir joué ce rôle-là, il va lâcher la clôture, et chacun va avancer. Pour moi, c'était l'image qui m'était venue, que je trouve... sans ça, tu veux leur expliquer que c'est ça. Puis ils disent, c'est bien de valeur, il ne paye pas encore pour tout le mal qu'il m'a fait. Puis moi, d'un sens, je suis toujours à payer. Ben oui, tu lui tiens la main. Oui. Lâche-le. Lâche-le. C'est nous qu'on libère quand on pardonne. Mais oui, puis c'est nous. Il a joué un rôle pour m'apprendre à. Tout acteur, il y a des acteurs qui ont des bons rôles, mais il y a des acteurs ingrats. Oui. Moi, j'ai déjà joué un rôle ingrat dans une formation. Puis cette femme-là m'appelle, pas à toutes les ans, mais presque à toutes les ans qu'on est devenus des bonnes amies. Sur le coup, dans la formation que je donnais, je couchais à un endroit, puis une élève qui voulait que j'aille coucher chez elle un soir. Puis j'avais dit oui, que le mois prochain, j'irais. Mais entre-temps, il s'est rajouté une autre formation de soir au même endroit où est-ce que je donnais. Fait qu'écoute, j'allais coucher à 11 heures chez quelqu'un. Fait que moi, le soir, non. Fait que là, le soir, elle dit, t'en viens chez nous? Je dis, non. Hey. Mais j'ai oublié en même temps que je m'étais engagée, mais j'y aurais expliqué avant. Mais le lendemain matin, elle arrive pas au cours. Fait que le surlendemain, là, j'appelle, parce que d'habitude, elle est jamais en retard. En tout cas, elle a réfléchi, puis elle est venue. Puis cette journée-là, comme par hasard, on travaillait sur l'enfant intérieur. Fait que donc, quand on est venu, puis après ça, elle s'est exprimée, elle dit, si ça aurait été avant, jamais que toi, je t'aurais parlé. Jamais. Oui, mais j'ai dit, regarde, moi, j'ai dit, aller coucher chez toi, d'arriver à 11 heures, puis de repartir le lendemain matin pour le cours, j'aurais pas eu tant de qualité avec toi. Mm. Fait que pour moi, c'est pour ça que j'y ai pas été. Parce que sans ça, j'ai dit, c'est juste dire que je m'en vais coucher, que tu vas avoir un lit de plus à laver, que de, tandis que l'autre, j'étais déjà là. Maintenant, elle a quelque chose, puis elle réutilise tous les outils, elle m'en parle encore, elle, puis ça fait longtemps, ça, c'était en 98. Puis on est devenus vraiment des bonnes amies, mais elle dit, ça a changé complètement ma vie. Mais j'ai été l'acteur, je lui ai dit, j'ai été l'acteur ingrat pour t'aider à libérer cet enfant-là qui était blessé, que des gens te promettent quelque chose, mais que tu ne respectes pas leur parole. Ouais. Fait que d'un sens, tu vois-tu, j'ai dit, si j'aurais pas joué ce rôle-là ingrat, on n'aurait pas pu toucher aussi en profondeur. Mm. Fait que des fois, il y a des gens qui vont jouer des rôles ingrats, puis ne le savent même pas. On est tous un peu le bourreau de quelqu'un une fois dans notre vie, au moins, là, tu sais. On fait pas exprès. On fait pas exprès. Des fois, on est plein d'amour, mais l'autre le reçoit comme quelque chose qui est blessant. On vient d'éveiller sa blessure parce que là, il est prêt à la guérir. Ouais. Mais il a le choix de la refermer, de la recamoufler ou bien de dire, oui, j'y vais, je la guéris. C'est le côté qui est là. Fait que c'est pour ça que tout le monde, fait qu'on peut pas arriver à dire, c'est un ci, c'est un ça. Il joue un rôle. Qu'est-ce qui vient éveiller en moi? Ouais. Puis plus qu'on va aller cette force-là, tu vois, ça, je l'enseigne dans le module 2, toujours avec des soins qu'on va avoir. Mais dans le module 2, on va aller le travailler, cet enfant-là intérieur, parce que moi, j'appelle, pour l'enfant intérieur, en premier, il faut que je le retrouve. Hein. Après ça, je dois l'apprivoiser, parce qu'il était déçu avec des adultes. Oui. Puis je suis rendue une adulte. Mm. Après l'avoir apprivoisé, là, après ça, on va parler de libération. Mm. Puis guérison. Oui. Parce que je dis en premier, c'est...
que je fasse ce que je voudrais, si je le retrouve, puis est-ce qu'il accepte que je le retrouve? S'il me dit non, OK, en ce cas-là, je m'attends, puis quand tu seras prêt, tu vas venir me voir. Mmh. Fait que tu vois, il va par étape, mais par amour pour l'enfant. Mmh. Parce que c'est grâce à cet enfant-là qu'on est rendu là aujourd'hui. Oui, oui. Fait que ça, dans le module 2, on le porte, on le porte encore. Oui, ben oui, on veut le porter, parce que là, vous redevenir des adultes au cœur d'enfant. Mmh. Qu'on s'amuse avec un rien. Il me semble que je te vois très bien avec un corps et un cœur d'enfant. Tu sais, et ton sourire d'enfant. Qu'est-ce qui t'attend pour 2017? Parce que toi qui connais les chiffres comme le fond de ta poche, qu'est-ce qui t'attend? Puis qu'est-ce que tu as le goût de vivre, toi, par rapport à cette année-là? C'est sûr que j'aurai des nouveaux projets, mais tant que je vais maintenir le salon et mes cours relations, ben c'est comme des nouveaux projets parce que je les remets toutes sur pied au complet là. Tes cours? Mes cours, je mets tout, c'est tout reconstruit. Même là, je vais monter avec j'ai jamais travaillé avec le PowerPoint. Fait que là, je suis en train de monter du PowerPoint. Fait que donc, tu vois-tu, je suis en train de m'outiller davantage pour me faciliter. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'écriture, parce que je dis, si mon groupe n'est pas de 6 à 8 personnes minimum, je le pars pas, je le retarde, mais il retarde en 2018. Oh! Oui, non, là, je retarde plus dans l'année. Il y a une planification, ça veut dire que je dois écrire, parce que j'ai recommencé à écrire mon livre sur les dates nous parlent, les dates, les chiffres me parlent. T'as un deuxième livre là-dessus? L'autre, on l'aura... L'autre, qu'est-ce qui reste? C'est moi qui les ont. Il en reste plus du tout ailleurs. Puis je voulais pas qu'Alain le retourne comme ça parce que là, je veux y faire avec un volet nouveau. Je veux amener plus... Une réédition ou complètement un autre livre? Complètement, complètement nouveau. Okay. Parce que là, je veux mettre, si tu es né telle journée, en fonction de ta naissance, il vient de dire quelque chose, des forces et des pièges. Mais après ça, pour le général de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Fait que c'est pour ça qu'il est tout en train de... je suis en train de le retravailler. Puis quant à faire, je veux le travailler avec les lettres aussi, les lettres de notre prénom, comme Diane Gagnon. Tu vois-tu, tu dis, c'est mon nom d'adoption, mais c'est ce nom-là, parce que le Gagnon, c'est un chiffre, c'est la lettre 7, la septième lettre aussi. Fait que dans le côté spirituel, puis tu vois, la lettre G, elle part comme un C, mais elle a une petite barre qu'elle revient vers l'intérieur. Oui. Fait que donc, elle a besoin de communiquer, mais pour se ramener à elle. C'est beau, hein? Tu sais, puis le D, lui, c'est l'inverse. Regarde, le D, c'est un C, mais inversé. Oui. Fait que, puis en même temps, moi, je suis en train de l'associer avec des chiffres. Lui, c'est un 1 avec un demi-zéro. Fait que dans un sens, dans mes dons, là, je dois me retourner vraiment vers mon intérieur. Fait qu'on va pas chercher les verres du nez d'une Diane. Ouais. Tu sais, d'une Diane, d'un Daniel. Tu sais, fait que c'est pour ça. Fait que je suis en train de le faire pour après ça qu'on puisse voir avec nos noms de famille et notre prénom, d'aller voir avec mon chiffre de naissance et après ça, aller voir les dates au quotidien. Tu sais. Mm. Puis, on va pouvoir le faire aussi avec les problèmes de santé. Pourquoi c'est ta première lettre-là de mon problème de santé? Est-ce que trois mots... Vous allez voir, c'est pour ça que là, je suis en train. Fait que je me suis dit, bon, si mon groupe y a avoir lieu, OK, mon livre va prendre un peu de... il va m'attendre parce que je ne me bouscule pas, je me garde du temps de qualité. Wow! Tu arrives à le faire maintenant. Je sais que si je le fais pas, ben je tombe dans mon piège. Ouais. Puis là, je sais qu'à 11, après ça, je sais pas s'il y a 12 puis 13, je suis pas sûre, là. Fait que, tu sais, tu comprends, c'est le côté qui est là. Fait que d'un sens, lui, je suis en train de l'écrire. Là, actuellement, je suis en train de le relire. Puis là, je revois d'autres choses et tout ça. Parce que il y a 250 pages, là. Mais, tu sais, fait que... Puis il est pas fini. Il me reste beaucoup de stock, tu sais, à mettre là-dedans. Mais en même temps, je veux que ça soit tellement simple que quand tu le dis, c'est facile à avoir tes réponses. Mmh. Qu'est-ce qu'on avait à apprendre et à comprendre de 2016? Parce qu'à mon avis, c'était une année difficile sur beaucoup de plans. Oui, mais on avait... Tu sais, quand tantôt, j'ai dit arrêter de s'oublier, combien de gens sur Terre s'oublient pour les autres? C'est exactement, mettons, qu'à d'avoir pris l'avion puis qu'à là, il y a un crash, mais j'ai pas mis mon casque d'oxygène. Ouais. J'ai voulu mettre le casque à toutes les autres. Tu comprends toutes les catastrophes qu'on a eues et tout ça. Ouais. Cette année, il va en avoir aussi parce que, tu vois, le 1er janvier, il y en a eu. Oui. Puis il y en a, aller jusqu'au 12, il y en a eu d'autres. Fait que d'un sens, on sait que cette année, il va en avoir. Mais d'un autre côté, c'est pour ouvrir des portes. Pour nous rendre plus conscients. Nous rendre de plus en plus conscients puis d'unir les gens qu'on peut être unis ensemble mais sans s'oublier. Dans le respect de soi, tu sais. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai écrit hier soir pour le texte de ce matin, je te jure, là. Tu sais, puis de dire que penser à soi, c'est pas oublier de penser aux autres. Non.
Mais pense aux autres, faut pas s'oublier non plus. Non, justement, fait que pensez toujours à l'avion. Si ton masque d'oxygène, tu le mets en dernier, mais tu risques de pas avoir fini de mettre celui-là de l'autre. Fait que mets-toi là, après ça, tu vas pouvoir aider à l'autre. Fait que cette année, comme c'est un nouveau départ, c'est des choses. Fait qu'il va en avoir, mais je dis, voyons-le, puis remarquons les périodes qui vont se faire. Vous allez voir, il va y avoir souvent comme du 11, comme on avait eu le 11 septembre. Ouais. Bon, et regardez. Puis à chaque fois, c'est ça, c'est pour ouvrir des portes, c'est des âmes qui ont accepté d'être dans ces lieux-là pour être prêts pour aller ouvrir les portes. Parce que c'est des gens qui ont, moi j'appelle, qui ont une grande capacité intérieure, mais c'était leur manière la plus forte pour aller aider à l'humanité. Oh! Ça nous fait voir ces catastrophes-là d'un autre œil. Ça nous fait voir ça d'un autre œil. C'est vraiment... Ben, en tout cas, c'est pour c'est très touchant, ça. En l'observant, moi je trouve, c'est comme si on est capable de voir l'évolution que l'on fait ici dans cette belle vie-là, qu'on amène vraiment un côté d'ouvrir qu'il n'y a pas rien pour rien. Non. Puis il n'y a pas de victime parce que l'âme qui est partie, elle a choisi. Pourquoi c'est elle? Tu sais, comme à l'aéroport de Fort Lauderdale. Oui, c'est incroyable. Hein? Pourquoi que c'est telle personne, puis les autres, il y en a qui ont dit, on passait, puis là, ils sont couchés avec les toutous et tout ça, puis ça a été que il n'y a pas eu de... Tu sais, ils ont été dans la peur, mais ils n'ont pas été touchés physiquement. Ouais. Fait que pourquoi? Parce que les âmes, les autres, dans l'inconscient, ils le savent. Ouais. Puis on dit, même si c'est un accident, même si c'est un attentat, même si c'est... Qu'est-ce que tu veux vouloir? L'âme le sait 9 mois avant de partir. C'est vrai? On accouche ici sur Terre. On prend 9 mois à venir la plupart du temps. Des fois, il y en a qui sont plus pressés un petit peu. Ouais. Ben, c'est la même affaire pour partir. Ah oui. Quand les gens deviennent observateurs, ils vont dire, ah c'est vrai, regarde, j'avais eu des signes là. Mais on le voit après le signe, mais jamais, jamais quand il se passe le signe. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons qu'on va dire que j'ai à partir dans 9 mois, là, que là aujourd'hui. Je vais avoir une parole ou une action que je vais avoir dit, que là, pour l'instant, il est passé inaperçu. Puis dans 9 mois, d'un coup, on va dire, « Hey, mais c'est vrai, elle nous a parlé de tout ça qu'elle préparait. Mmh. » Elle a donné l'indice, mais sauf que on ne peut pas faire le lien parce qu'on embarquerait trop dans la peur. Oui, ben on parlerait plus. Ben, puis l'âme, en même temps, qu'est-ce qu'elle a? Elle le sait. L'âme, elle, c'est correct, tout est correct. C'est l'ego, c'est le mental que lui a peur. Ouais. La journée que notre ego va être beaucoup plus faible, on va l'accueillir, puis même on va pouvoir accompagner beaucoup plus facilement les personnes dans leur dans leur départ. Mm. Même si on sait pas de la façon qu'ils vont partir, puis si on est bien mieux de pas le savoir. Mm. C'est pour ça que c'est... En tout cas, je trouve ça intéressant. Je trouve la vie belle dans tous les sens, vie ici et vie céleste. C'est fascinant. Mais c'est d'apprendre à vivre. Moi, je trouve... Qu'est-ce que je ressors avec l'expérience? C'est que là, j'apprends à quitter l'urgence de vivre. C'est simplement vivre. À quitter. C'est drôle que tu dises ça parce que tu vois, moi, il y a quelques années, c'est ça que je ressentais, l'urgence de vivre. Comme si j'avais eu une prise de conscience. Faut que je vive, là. Faut que j'arrête de vivre sur le pilote automatique. Oui, justement. Mais donc, ça crée une espèce de frénésie que tu veux goûter à tout. C'est-à-dire que tu veux tout faire. Justement. La vie devient le grand buffet, puis là, tu veux pas manquer rien. Tu vas vouloir tout savourer. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment de savourer la vie au quotidien, à chaque instant. Mmh, c'est beau. Fait que moi, je trouve que c'est le gros apprentissage que je ressors. Puis, attendez pas de vivre qu'est-ce que j'ai vécu, mais apprenez à chaque jour, est-ce que je suis en urgence de vivre ou si je savoure la vie? Je vais le noter parce que je trouve ça trop beau. Je sais que tu vas écrire quelque chose de super avec ça. C'est sûr. Ça va être très inspirant et très chaleureux dans la... C'est sûr. On a quelqu'un d'arrivé. Oui. De super. On accueille, je vais ouvrir son micro, ça va mieux aller. On accueille la belle Cathy Tropiano. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il va falloir que tu t'avances un peu plus proche de ton micro. Merci de venir nous rencontrer, d'avoir couché à Lévis pour venir parler avec nous ce matin. Hey, c'est une chance formidable, là. Je vous dis, les auditeurs, appelez vos amis pour que vous savez qu'il y en a qui sont pas à l'écoute pour écouter et entendre Cathy. Ouais. Honnêtement, là, c'est un
me fait honneur ce matin d'être ici avec vous. Avec vous, mes chers mesdames. Puis sur tes belles paroles de sagesse, là, wow, c'est vraiment inspirant. Ouais, hein? Merci, merci Diane de m'avoir invitée. Ben, c'est un honneur d'être ici. Merci, c'est un plaisir de te recevoir. Puis c'était assez spontané aussi, c'était comme imprévu. On avait le goût de, que tu fasses connaître ton salon de l'éveil ici. Surtout que Thérèse nous a bien parlé de son salon international du mieux-être. Alors. Puis ce qui est plaisant, tu me rends service d'être ici aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon employé qui est malade. Oui. Donc, je dois rentrer au centre plus tôt, puis je veux continuer à savourer la vie. Donc, je te laisse la dernière demi-heure, mais que je trouve la chance, la synchronicité. Tu vois-tu le nouveau départ, là, quand on dit, puis en même temps, aujourd'hui, ça faisait du 12-3, le côté de d'être en équilibre entre l'action et le repos, puis réaliser nos rêves. Cathy, quand elle m'a parlé du salon de l'éveil, c'est un rêve qu'elle voulait faire ici. Oui. Fait que tu vois-tu, même la journée vient valider que c'est pour ça que, regarde, tout est, ça pouvait pas mieux arriver. Ouais. Fait que voyez... La vie a le sens de l'humour, hein? Ah, oui. Parce que je trouve que, tu sais, nous, on est là avec nos petits plans, puis nos planifications en 14 copies. Puis il y a le grand plan de la vie qui dit, ha, ha, attends un petit peu, on va t'organiser ça autrement. La vie s'en charge. Oui, ah, Thérèse, ça, c'est, merci de Thérèse, elle a fait un miracle tantôt avant qu'on arrive, puis il faut que je le raconte, parce que bon, je m'installe, puis je commence la mise en onde, puis là, je me dis, c'est vrai, il faut que je programme l'heure suivante après mon émission. Et là, comme on a une nouvelle console, un nouveau logiciel et tout, je me souvenais plus comment faire. Oh my God. Alors là, pour me mettre en onde, j'ai pas de problème, mais pour qu'il y ait une émission qui suit la mienne, qu'il y ait de la musique après, là, je savais plus. Puis j'ai un peu gossé pour parler en bon québécois, puis j'ai un peu mélangé les affaires. Puis là, je me dis, oh my God, je le trouve plus, je sais plus comment, je sais plus. Puis Thérèse a dit... Ben, demande à ton guide ambassadeur qui va nous amener le meilleur spécialiste pour pouvoir le faire. Fait que là, j'ai dit, arrête de regarder ça. Puis, d'un sens, ça va arriver. Ça a pris 30 secondes. 30 secondes, puis c'est arrivé. On a entendu le DG Guillaume qui arrivait. Puis, j'ai dit, Guillaume, viens m'aider. C'est merveilleux. C'est incroyable. Puis là, je la regardais. J'ai dit, tu fais encore des miracles. Ben, puis là, hier, quand elle m'a dit qu'elle était malade, j'ai dit, ben, je voudrais l'idéal que je quitte un peu plus tôt. Fait que là, je vais vous quitter dans quelques secondes. Ouais. Diane m'écrit pratiquement tout de suite. Elle me parle. Hey, mais j'ai dit, c'est merveilleux, ça. Ça peut pas être mieux. Exemple, ça, je lui montrais mon cellulaire à Diane. Je lui disais, regarde, Thérèse, elle vient de m'écrire. C'est-tu, hein? Synchronicité. D'abord, je ne pensais pas que tu serais là hier soir non plus. Je pensais pas te voir parce qu'habituellement, tu étais à Laval vu que tu restes dans la région. À Laval, mais hier, j'ai fait le chemin pour venir monter sur la scène respiratoire. Oui. Puis, habituellement, j'ai une invitée par émission, c'est pour avoir tout mon temps avec elle. Puis là, regarde, tout se place parfaitement. Tout se place parfaitement. Fait que je dis bonjour aux auditeurs. Merci, Diane, de ton invitation. Thérèse. C'est un cadeau. Merci Cathy, d'être là. Puis, je dis aux auditeurs, écoutez bien Cathy, puis en même temps, partagez le podcast. Mm. Là, vous avez écouté l'émission. Dites-le à vos amis pour la découvrir aussi, Cathy. Ouais. C'est une femme à découvrir. Ouais. Puis, Diane, c'est toujours intéressant qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, ouais, dans un sens, elle vous amène toujours dans le cœur. Oui. Mille merci. Puis je vous souhaite à toi. Bonne semaine, merci, bon mois, Thérèse, bonne année. Merci. Et tout. Allez voir. À bientôt. Allez voir les formations de Thérèse sur son site web. Ça vaut vraiment la peine. C'est extraordinaire. On t'aime fort, fort, fort. Oui. On te souhaite une année pleine de santé, d'amour, puis de rêves et de tout ce que tu veux, puis de tout ce que tu appelles. Je t'aime. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Bye. Cathy. Oui. On va reprendre la relève avec tout ça. Oui. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, parce que les gens de Québec, nous, on te connaît peu. Hier, tu nous as parlé un peu que tu étais quelqu'un qui avait étudié... Bye-bye, Thérèse! qui avait étudié en administration, puis qui, un jour, s'est dit, non, moi, il faut que je fasse d'autres choses. Depuis que j'étais toute petite, j'aimais tout ce qu'il y avait en lien avec la scène. Donc, la scène, la mise en scène, les spectacles, pour vrai, et tout, depuis que j'étais toute petite. Puis, quand j'étais à l'école secondaire... Même si ce qui m'attirait, c'était la création, c'était ce qui me passionnait. Quand c'est arrivé en secondaire 5, il fallait faire un choix. J'avais le choix du cœur ou le choix de la tête. Puis à ce moment-là, j'avais pas assez confiance en moi pour écouter mon cœur. Mmh. Je me disais, si je m'en vais dans le domaine de l'art, du spectacle et de la mise en scène, je suis pas garantie d'avoir un emploi. Tandis que si je vais en administration,
c'est plus sécurisant, mettons. Puis j'étais quand même très, très forte en administration aussi. Là. J'avais autant le côté créateur que le côté administration. Alors, cet élan-là, créateur et tout ça, un jour, tu t'es dit, je vais faire un salon, je vais inviter. Comment c'est venu cette idée-là? D'abord, le salon de l'éveil, dis-nous un peu c'est quoi? Puis, c'est un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel. Pour moi, quand je dis santé, ça englobe la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle et la santé financière. Puis moi, je dis qu'en 2017, on peut pas parler de santé sans passer par le développement personnel. Ouais. Faut absolument qu'on continue à apprendre, qu'on aille chercher de la documentation, qu'on s'instruit, qu'on ait toujours cette soif d'apprentissage. Mmh. Puis, ça passe aussi par le mieux-être, parce que quand on prend soin de nous, c'est fou tout ce qui peut se mettre en place devant nous. Oui. Alors, donc, c'est le salon de l'éveil, c'est ça, ça englobe. C'est body, mind and soul, qu'on dit en anglais, ça englobe la santé globale. OK. Puis, tu as eu cet élan-là de créer ça là, ça va être ta troisième année? En 2017, ça va être la troisième édition à Laval. Ouais. Puis, la première édition à Lévis. OK. Puis c'est vraiment un désir qui a monté en moi. Là. Honnêtement, moi, je travaille en comptabilité 40 heures semaine. Puis, à l'aube de ma quarantaine, je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit, je voudrais créer un salon. Puis c'est sûr que les membres de mon entourage, ma famille proche, mes amis, mes sœurs même ont dit « OK, Cathy, fais sa crise de la quarantaine. » Mais je leur ai prouvé que je voulais vraiment avancer vers cette direction. Donc, j'ai vraiment fait un 360 degrés. Mais pourquoi un salon? Qu'est-ce que... Moi, là, je voulais Tu voulais regrouper tout ça, tu voulais offrir tout ça. Oui, je voulais vraiment offrir... Je voulais avoir accès à des outils. Je voulais avoir accès à des conseils, puis je voulais ça tout au même endroit. Mm-hmm. Je voulais que ce soit tout au même endroit, que les gens puissent aller voir comment faire pour vivre une vie plus saine. Tu as dit hier, je voulais créer le salon que j'avais le goût d'aller voir. Oui, voilà. Puis c'est ce que j'ai mis en place, honnêtement. Là. Puis moi, dans ma vie, là, je travaillais avec mon ordinateur, puis mon téléphone. Mais j'avais jamais vendu une palette de chocolat. Puis du jour au lendemain, je me retrouvais à vendre des centaines de kiosques en faisant du porte-à-porte, puis en allant dire aux gens, écoutez, c'est mon rêve, c'est ma passion, c'est qu'est-ce que je voudrais faire. Mais comment t'as fait pour partir, j'allais dire, de rien, là, dans le sens de... Je suis vraiment partie de rien. Les gens me disaient, mais t'es qui? Parce que là, tes conférenciers, cette année, nous en donnons quelques-uns. C'est assez impressionnant. C'est sûr que je suis vraiment contente d'avoir François Lemay, il est ma tête d'affiche. Je suis contente d'avoir France Gauthier, elle est ma porte-parole. Ginette Renaud qui vient faire un tour. Ingrid Falaise, Maxime Martin... Je vais en nommer, mais je vais en oublier, puis je vais vous demander de me pardonner parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si vous allez voir sur mon site, le www.christinemichaud.com. Manu Lemire, Annick Laprate, voilà, David la Bernard, tulipe. Martin La Tulipe, moi. Oui, je savais que j'allais en oublier. Alors, on sera là pour donner, on sera là avec nos kiosques, mais aussi pour offrir des conférences. Des conférences de haut calibre. Moi, j'ai l'impression qu'à force d'écouter des conférences, ça vient nous toucher. Ça peut pas nous laisser indifférents. À force d'en écouter, on accumule quelque chose qui fait que nous, on devient une meilleure personne. Oui. Que nous, on peut inspirer quelqu'un d'autre. C'est... L'année passée, tu as eu un succès fulgurant. Combien il y avait de personnes qui avaient passé à ton salon? L'année passée, l'année passée, c'est l'édition février 2016. Il y a eu 3147 personnes qui ont traversé les portes en deux jours. Puis au Château Royal, c'est vraiment exceptionnel, fabuleux. C'est fait pour ça. Mais cette année, là, j'attends encore beaucoup plus de monde. Oui. Puis là, ça se donne. Bon, à Laval, c'est le 18 et 19 février. Oui. Et. En mars, ici, en mars, le 25, le 25 et le 26 au Centre des congrès de Lévis. Oui, et il y a des billets en vente. Moi, j'en ai à vendre. Je mettrai le lien sur le lien avec le podcast là, qu'on republiera cet après-midi. Mais toi aussi, on peut s'en procurer au Salon de l'éveil. Oui, vous pouvez vous en procurer le matin même sur en vous présentant. C'est sur le place. Même prix? C'est le même prix, mais c'est en argent comptant le matin même. Okay. Vous pouvez les procurer chez tous les exposants. Tous les exposants ont des billets à vendre. Puis sur mon site Internet, moi aussi, si vous préférez payer par carte de crédit, vous pouvez passer aussi par et le site Internet. Et ton site Internet, c'est catitropiano.com. Catitropiano.com, okay. Ça s'écrit K-A-T-H-Y, Tropiano, T-R-O-P-I-A-N-O.com. C'est italien? Oui, c'est italien. Oui.
Hey, Robert, tu pourrais nous parler en italien un petit peu? C'est une belle langue. Oui. Et là, tu vois, la formule, c'est qu'il y a des kiosques, il y a des exposants, il y a des livres, il y a des soins de santé, il y a des conseils. Il y a de tout. Il y a vraiment des écoles de formation, il y a des soins énergétiques, des massothérapeutes, il y a vraiment des intervenants dans tous les domaines. Puis t'es plus... Si vous avez envie d'avancer vers vos rêves, si vous avez envie d'être inspiré, c'est la place à être. C'est là que vous allez retrouver le plus vos outils, vos trucs, vos conseils, des formations. Des gens qui sont là pour vous aider, des exposants là, qui ont leur cœur sur leurs mains, qui ne croient pas à la compétition, mais qui sont là pour partager leur savoir, pour partager leur expertise. Puis vous savez, des fois, là, juste une parole, ça peut tellement influencer une personne, le cheminement, le cours d'une vie. Parce que les billets ne sont pas chers, ils sont à 15 $. 15 $ pour avoir accès à 8 conférences dans une journée. Il y a plus que 8 conférences, il y a 100 conférences, mais vu que les conférences sont en simultané, t'as combien de salles de conférences? 6 salles de conférences, je pense. À Laval, il y en a 6 et ici, il y en a 7. Hey my God! Ça veut dire qu'à chaque heure, y a on a 6 ou 7 chouettes conférenciers. Voilà. OK, wow, il y a de la concurrence. C'est pas de la concurrence. Non. Moi, je dis, les personnes qui sont dans votre salle sont ceux qui sont là pour écouter ce que... Qui ont besoin d'entendre. Le message qu'ils ont besoin d'entendre. Exact. Ton plus grand défi dans une organisation de ce genre de salon-là, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est grandir. Moi, cette année, c'est Lévis. Mon grand défi, c'est Lévis. Ça fait longtemps qu'on m'attendait ici. Je recevais des messages par courriel. Pourquoi Lévis plutôt que Québec? Ben, j'ai fait les recherches aux deux endroits, puis mon cœur a penché du côté de Lévis. Oui. J'ai rien contre Québec, là. Oui. C'est juste, ça a été une intuition, c'est tout, là. C'était aussi simple que ça. Et puis, les gens me disaient, les personnalités publiques, on aimerait les voir, on aimerait les recevoir, puis on m'écrivait par Facebook, par courriel, quand est-ce que tu viens à Lévis, quand est-ce que tu viens à Québec. Oh, c'est un beau lapsus, Lévis, l'éveil. Oui, c'est ça. J'adore. On fait pas d'erreur. Donc, je suis vraiment contente. Cette année, c'est mon grand défi. Mmh. Tu disais que ce ne sera pas toujours nécessairement les mêmes conférenciers à Laval qu'à Lévis, parce qu'entre autres, Lilou Massé, qui est là, vient de France pour ton salon et repart après, crois, quelque chose comme ça. Lilou Massé descend de France spécifiquement pour le salon de l'éveil. Ça, vraiment, c'est une chance inouïe. Mais c'est ça, elle ne peut pas rester un mois, donc elle repart tout de suite après le salon. Mais la plupart des conférenciers font les deux endroits. Okay. Vraiment, là, faut regarder le site pour connaître les horaires. Mais tout le monde a accepté d'être aux deux endroits. De toute façon, c'est seulement 2 heures qui nous séparent. Oui, tellement... en effet. Est-ce que les titres des conférences sont affichés Les titres et les descriptions de Laval sont presque toutes là. Okay. Puis Lévis, c'est un peu plus... Parce que c'est un peu plus tard. Oui. Ça s'en vient bientôt. OK. Ah, c'est Mais bien. Vous pouvez déjà aller voir. Il y a déjà des noms qui sont inscrits. Il y a déjà des descriptions qui sont là. Mais si vous voulez avoir la description complète, c'est du côté de Laval. OK. C'est vraiment génial. Puis alors donc, les horaires du salon à Lévis, c'est... De 9h le matin à 5h30, samedi et dimanche. Wow. Et toi, tu seras là aux deux endroits. Qu'est-ce que tu fais, toi, à part faire le chef d'orchestre? Est-ce que tu donnes des conférences? Est-ce que cette année, on m'a mis au défi de présenter ma conférence. Moi, quand j'ai créé le salon de l'éveil, la première édition, je voulais être sur scène. C'est ce que je disais en tout début. Oui. Puis, j'ai pas osé le faire la première édition. J'ai eu peur. Très, très, avec toute mon humilité, là, j'ai eu peur. Puis, je me suis dit, pas cette année, l'année prochaine. Puis, l'année suivante non plus, je l'ai pas fait. Je me suis pas gardée. J'ai donné la plateforme à tout le monde, sauf à moi-même. Puis, c'est François Lemay qui m'a mis au défi avec son groupe de leaders de conscience et qui m'a dit, cette année, je veux t'avoir en conférence. Donc, c'est lui qui m'a un peu poussée, mais je suis vraiment contente de enfin pouvoir prendre la scène à mon salon parce que j'ai donné des conférences ailleurs. C'est vrai? Oui! Puis on dirait que je ne m'autorisais pas l'espace à ton propre salon. À mon propre salon. Mais je parlais de confiance en soi tout à l'heure, tout début aussi. Ça revient, là, même si on évolue. Ah, c'est le défi de toute une vie. Voilà. C'est le défi de toute une vie. Tu vas parler de quoi dans ta conférence, Cathy? Mon chemin de vie à moi. Qu'est-ce qui a fait que ça m'a emmenée jusqu'au Salon de l'éveil? Pourquoi je l'ai appelé Salon de l'éveil? Pourquoi tu l'as appelé Salon de l'éveil? Ça faisait partie de mes questions, alors. Comme tu le mentionnes, on va le prendre en vol. Le Salon de l'éveil, pour moi, c'était mon éveil à moi. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaillais en comptabilité, mon 40 heures semaine, je faisais pas
ça a été vraiment comme un 360, un changement de vie. Puis ça a été un éveil de moi qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Puis que quand on décide d'avancer vers ça, tout se met en place. Les bonnes personnes entrent dans nos vies, les ressources viennent à nous. Oui, les choses se placent toutes seules. Tout en ligne. Oui. Tout devient orchestré. Ma rencontre avec Thérèse Gagnon, là, c'était des plus fabuleuses. Ah, wow. Puis pourtant, j'avais hésité avant de l'appeler. Je me suis dit... Comment elle va prendre comment ça? Comment je vais lui demander ça? Puis moi, je l'appelais pour demander la permission. Oui. Parce que je voulais vraiment lui demander. Puis elle m'a répondu très, très humblement. Je suis qui, moi, pour te donner une permission? Elle dit, si ton rôle à toi, c'est d'aller partout dans le monde, tu demandes pas la permission, tu y vas. Wow! Puis ça m'avait encore plus inspirée, encore plus encouragée. Cette femme-là, elle a un cœur en or. Oui! Elle a vraiment un cœur en or. Voilà. Est-ce que elle nous disait tout à l'heure, on n'est pas en compétition. Qu'est-ce qui distingue un salon de l'autre? Pourrais-tu, est-ce que tu le vois, toi, en ce moment? Ben, honnêtement, on se ressemble beaucoup. Puis, quand j'ai dit qu'on n'est pas une compétition, c'est parce que les gens qui ont besoin d'aller chercher des outils, ils peuvent aller les chercher aux siens, ils peuvent aller les chercher aux miens. Puis, ouais. Les gens qui offrent les services au salon, ben ils les offrent aussi et ils les offrent au mieux. Ouais. C'est leur mission de vie d'offrir ces services. C'est notre manière de nous faire connaître aussi. Donc, qu'est-ce qui nous distingue? Peut-être moi, c'est parce que j'ai les personnalités publiques. Peut-être moi, parce que c'est deux jours au lieu de trois. Mais la qualité, le calibre, c'est la même chose. Ouais. Je veux pas dire le sien est meilleur que le mien, le mien est meilleur que le sien. Moi, je suis nouvelle ici. Ouais. Je pense que, dans le fond... On a toute notre raison d'être, notre place. Mmh. Alors, le centre de congrès, ça s'avère la meilleure place pour t'installer là. Oui, parce que la salle, elle est immense. Et en plus, ils ont des salles de conférence. Oui. Ils ont facilité d'accès pour la nourriture, facilité d'accès pour les gens qui veulent dormir sur place. Oui. Tout y est. Oui. Le stationnement est immense. Mmh. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, 2h30 de route, ça se fait vraiment bien pour les gens qui font les deux endroits. Puis il y en a vraiment beaucoup qui font la route, font les deux. Oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a vraiment même des exposants qui ont décidé d'acheter le combo parce que le prix, ça vaut vraiment la peine. Oui, mais moi, ils font les deux endroits. Ouais. Et toi, tu le fais exactement. Ils font les deux endroits parce que c'est convenable. Est-ce qu'il reste de la place pour vendre des kiosques ici à Lévis? Oui, il reste de la place pour des kiosques à Lévis. T'en acceptes combien au total? 150. 150. Oui. Alors, ceux qui, parmi les exposants, qu'est-ce que tu leur demandes? Tu les choisis comment, tes exposants? Par exemple, quelqu'un qui t'aborde et qui dit, hey, moi, je vends des je sais pas, moi, n'importe pour quoi. Pour moi, c'est important que c'est en lien avec les thèmes du salon. Les thèmes du salon, c'est santé, mieux-être, développement personnel. Si la personne est auteur, si la personne elle fait des soins, si elle est dans ces liens thématiques du salon, c'est sûr que les portes sont grandes ouvertes. Oui. Mais il y a des formes d'art aussi qui sont accueillies. Quelqu'un qui fait de la peinture à l'huile puis qui peint des anges, c'est accueilli, ouais. C'est super bien, c'est bien reçu. Est-ce que t'as des maisons d'édition qui ont participé? Oui, j'ai des maisons d'édition, j'ai des écoles de formation, j'ai vraiment de tout. Il faut vraiment aller faire un tour sur le site pour voir le genre d'exposants qui sont là. Ton site est vraiment génial. D'abord, il est gigantesque, il est beau, il est super bien fait. On voit les photos de tous les conférenciers. Mais moi, tout le temps, les photos valent mille mots. Des fois, on veut essayer d'expliquer, mais quand on arrive devant une photo... Tes vidéos aussi, parce que quand on voit la quantité de monde qui se promenait en 2016 dans ton salon, c'est fantastique. Il y a aussi les personnalités publiques qui ont été gentilles, qui m'ont tous laissé des témoignages, qu'on a fait un beau montage, puis ça s'appelle « Ce qu'ils en disent ». Si vous tapez sur YouTube « Ce qu'ils en disent, salon de l'éveil », vous allez voir Christine Michaud qui parle du salon, vous allez voir David Bernard, Dans une espèce de salon où ils sont assis. Tout le monde laisse des beaux commentaires. Qu'est-ce que tu retires à chaque fois de cette expérience-là, toi? Honnêtement, là, ce qui me traverse le corps à chaque fois, là, c'est la deuxième édition que j'ai vécue. Là, quand je me promenais dans les corridors puis que je voyais les gens juste se promener avec leur sourire, pour moi, ça, c'est une paye immense. Parce que je vous cache pas, c'est du travail inimaginable. J'imagine. C'est vraiment un travail... assidu, acharné. Ouais, je pense que Thérèse, qui est à l'écoute, elle doit dire « Oui, c'est du travail! » Elle aussi, oui! Donc, c'est un travail qui est dur, qui est long, qui est acharné, qui est en pente. Mais quand les gens, on voit qu'ils ont été enrichis, tu sais, quand on réalise qu'ils sont venus chercher quelque chose. Moi, je me rappelle, ces deux journées-là, pour moi, c'était euphorique. Là. Je peux pas vous décrire comment, moi, je me ressentais en dedans. Là. C'était un gain...
pas financier, c'était vraiment juste un gain de cœur. Spectaculaire. As-tu l'impression d'être dans ta mission? Oui. Ouais. Vraiment être sur mon X. Oui. Ben, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas toi qui te mets en avant. Tu mets 150 personnes en avant. Là. Mais Diane, je vais être aussi très, très honnête avec toi. Le salon, ça faisait partie de mes rêves, mais c'est pas mon rêve principal. Le salon, je devais passer par là pour arriver où je dois aller. Puis je le dis encore aujourd'hui, mon salon, c'est un stepping stone. C'est le chemin que je dois passer. C'est quoi pour ton arriver. Rêve? Il est grandiose, mon rêve. Là. Tu veux pas en parler? Mais disons que je peux dire les grandes lignes que je sais que ça va être mondial. Tu sais, j'ai l'impression, une forte intuition à l'intérieur de moi là, que ça va être à travers le monde. Que ce soit en français, que ce soit en anglais, je sais que tu vas être notre, je vais voyager. Notre Oprah. Ah non, ça c'est un peu haut là, mais pourquoi j'aimerais pas? Vraiment ça. Pourquoi pas? Wow, pourquoi c'est pas? Génial. C'est génial. On te le souhaite tellement parce que tu sais, la qualité des invités que tu as, des conférenciers que tu as, puis tout ce que tu offres à l'intérieur, tu sais, c'est 15 $ par jour. C'est le prix d'un billet de cinéma qu'un film qui dure une heure et demie. Mais pour moi, ça, c'était le côté, l'aspect important. Il fallait que le billet soit seulement 15 $ Mais même pour mes exposants, quand vous achetez un kiosque, les exposants, vous avez d'inclus dans votre achat des billets. Et vous pouvez vous auto-rembourser. Oui. Puis, en faisant ça, là, ça fait que tout le monde peut participer à un salon de haut calibre. Oui. Avec des coûts qui sont vraiment accessibles. Oui. Vraiment, vraiment oui. accessibles. C'est vraiment, oui, c'est accessible pour tout le monde. Pour puis, tout le monde, la personne qui est massothérapeute dans son sous-sol, elle a le pouvoir de venir être exposante dans un salon avec des conférenciers, des conférencières de haut calibre. De se faire connaître. Puis, de se faire connaître, de faire sa publicité. Oui, c'est génial. De grandir sa notoriété. Alors, si on veut réserver un salon, pas un salon, mais un kiosque pour être exposant à ton salon de l'éveil qui va être à Lévis les 25 et 26 mars prochains, ça s'en vient vite, on contacte Cathy où et comment? On va sur mon site Internet. Sur mon site Internet, il y a l'onglet « Salon de l'éveil ». Puis tout de suite en dessous de « Salon de l'éveil », c'est écrit « Devenez exposant ». Si vous entrez votre nom, votre adresse courriel, vous allez recevoir le formulaire pour les instructions, comment vous inscrire. Rappelez-nous le nom. Vous pouvez aussi me téléphoner. Oui, vas-y. Directement, 514-974-8923. Puis le site Internet, c'est le www.cathy.com. Oui. Je vous invite aussi à aller voir la page Facebook. Oui. Cathy Tropiano aussi. Vous allez voir les images, les photos, ça vaut mille mots. Mais Cathy, je te remercie infiniment d'avoir accepté de coucher à Lévis pour venir nous rencontrer ce matin. Merci. Quelle belle toi, Diane, de cette belle invitation, de cette belle synchronicité. Merci à Thérèse oui, de m'avoir accordé à Thérèse le 30 aussi. Minutes. Je te souhaite un succès. Je nous souhaite un succès extraordinaire pour cette première édition à Lévis. Et on se voit aussi le 18-19 février à Laval. Merci Cathy, c'était un Merci grand de plaisir de te recevoir. Chers auditeurs, comme c'est notre première de l'année, je veux juste vous mentionner quelques-uns des invités que nous aurons au cours des prochaines semaines. Ça vaut la peine. Je pense qu'on va avoir une très bonne année. Alors, la semaine prochaine, on recevra Patrick Pelletier, qui est un auteur québécois. Par la suite, il y aura Séverine Chérix, qui est une auteure suisse, qui a des choses extraordinaires à nous partager aussi. Ensuite, Joanne Bérubé, on recevra aussi Dominique Gagné, qui vient d'écrire un livre sur le suicide. Il y aura Jean Adeau, Isabelle Duchesneau, la directrice générale du fantastique monastère des Augustines. Si tu connais pas, Cathy, le monastère, faut que tu vois ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Il y aura Alexandre Fournier du magazine Clé de vie. Je recevrai ma collègue d'ici, Nathalie Jean, en entrevue aussi, elle qui anime les jeudis matins. On aura le plaisir d'avoir Martin Latulippe le 14 mars, en entrevue de 2 heures, je vais me gâter. Par la suite, Lynne-Marie Germain, Nathalie Loca fera sa première expérience radio avec nous à la fin mars. Il y aura Patrick Deshôtels, un chef, mon chef, qu'on voit souvent à Inspire-toi. Il y aura, écoute, Nasrine Reza,
qui est une auteure francophone, là, je ne sais pas de quelle nationalité elle est, qui est connue partout à travers le monde, puis qu'on commence à peine à connaître ici au Québec. Ah. Elle vient donner des séries de conférences et d'ateliers, et j'ai le privilège de la recevoir au début du mois de mai. Il y aura Jean-Charles Chabot, qu'on connaît comme hypnologue. Et j'ai plein d'autres noms sur ma liste qui restent à confirmer. Hier, c'est vraiment inspirant, là, tous les noms que tu nommes. Oui, hier, j'ai vu le docteur Serge Marquis que j'ai invité, qui a accepté mon invitation. Il nous reste à trouver une date. Je suis vraiment gâtée. Je suis privilégiée d'être avec vous ici ce matin et tous les mardis matins de 10h à midi à CJMD. Je remercie la direction pour sa confiance. Je remercie mes invités parce que moi, là, c'est un cadeau que je me fais. J'adore animer puis rencontrer des belles personnes comme toi, Cathy, puis comme la majorité, comme tous mes invités. C'est un grand bonheur. Merci à toi, Diane. Merci aux auditeurs aussi. Oui. Alors, chers auditeurs, je vous dis au revoir et on se retrouve mardi prochain à 10h pour la prochaine émission Porteur d'espoir. CJMD 96.9. Sans la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin.